On est réchauffé, en tout cas. Salut tout le monde, bienvenue au Sport le casque, épisode 194. Oh, baby! Moi, je pense que qu'est-ce que je m'ennuie le plus de faire les podcasts, c'était les claps de fil. Ah, pour ouais, syncer tout ensemble? Ouais. C'est... Je m'ennuie vraiment de tes claps. Moi, avec, je m'ennuie de ça. C'est le seul podcast qui a plus d'épisodes que de vues. Je le sais. C'est faux. Ben, en fait, non, pas en audio qu'en vidéo. Là, mais... C'est faux, je pense que c'est mon podcast. Mon podcast, c'est celui qui a le plus d'épisodes que de vues. Je pense que j'ai comme en moyenne de 15 vues, je suis rendu à 17 épisodes. C'est quand même cool, pour elle, parce qu'on fait ça pour la passion. Mais pour vrai, je ne sais pas j'ai combien de vues au total. Je ne check pas tant mes shit audio. Je le vois sur YouTube, puis ça, c'est pas super haut, mais à chaque fois, je suis fasciné. Ouais. C'est capote, genre. Il y a 15 personnes. Oui, okay, c'est malade. Tu me checkes moi qui jase assis. C'est fou. Mais c'est malade. À un moment donné, Michel Grenier m'avait dit, tu sais, prends toutes tes écoutes de podcast, puis dis-toi là, que ces gens-là, c'est comme si c'était dans ta salle en ce moment. Ouais. Là. Ouais. Puis là, je trouve ça vraiment chiant quand je vois que la moyenne est de 6 minutes d'écoute. Je suis comme, ben là, oh, le monde a quitté ma salle après 6 minutes. C'est comme ils vont des champs dans le temps. Est-ce qu'on a plugué cette semaine, mon fil? Cette semaine, ben, premièrement, je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde qui se sont abonnés au groupe OBLCs and Friends, qui est notre groupe Facebook, parce que ça a l'air c'était à la mode, ce qu'il faut faire de ce temps-là. Fait que, on a notre groupe tabarnak. Fait que, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup. Sinon, on va remercier le monde qui donne de l'argent tous les mois, comme d'habitude. Donc, on va les nommer. On a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morand, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovo, Philippe L et Nathaniel Soulard-Lesage. Ben, merci tout le monde, Nasty. Puis abonnez-vous aux pages. Allez voir notre groupe Facebook, hein? OBLCs and Friends, baby. Puis c'est ça, Marco. Retour à toi. Ben merci. Vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde. On nous sait que nous, Jeff Denomé, est très content d'avoir de retour avec nous cette semaine, M. Pascal Cameron. Oh, baby! Oh! Yes. Oh! Pascal, le Wild Cameron est dans la place. Oh! Oh, oh. Le Wild! C'est comme ça qu'on l'a fait. Ah oui. Tellement content que tu apprennes une deuxième langue, Jeff. Cool. Ouais. Oh, très content. D'ailleurs, j'ai lu un livre en anglais aussi. Oh! Vas-y, enlève le goût à tout le monde de lire. Moi aussi, j'en ai lu un livre en anglais. It's Canada! Bank of... gros livre. Ah, oh, ça, c'est un... Ah, ouais. T'as un petit autre en bac. Sinon, Pascal, il y a un autre livre en anglais, si vous voulez. It's called... $5 Canada Bank of j'ai la traduction en plus des deux côtés fait que je sais si je l'ai bien, tu sais. Bon gars. C'est quoi t'as l'air? Moi je t'allais dire, Pascal, parle-nous de ton amour de l'épicerie Valmont. Ah non, on peut pas commencer ça là-dessus. On est en problématique judiciaire, je pense. Ah oh, ouais. Je pense qu'il va y avoir des poursuites et un end shit là, Ah oh, ouais. OK. Là, bon ben peut-être que c'est mieux de. Je peux décrire la discussion, la situation rapidement, mais je ne peux pas poser de point de vue sur le fait c'est bon, oui ou c'est non correct. De rien. Je peux pas être agressif, mais je comprends. Il y a un propriétaire de Valmont qui est ouvert au rez-de-chaussée chez nous, puis nous on a un condo au-dessus, puis il a crissé un condenseur à air avec 4 gros ventilateurs en dessous de nos fenêtres. Sans permis de la ville, sans autorisation, il a été sommé de l'enlever, il ne l'enlève pas, ça fait 6 mois. Puis si vous entendez des vibrations dans mon micro, c'est parce que le condenseur part à l'extérieur environ aux 30 secondes. Oh, donc, oh wow! On dort avec des matelas dans nos fenêtres. C'est horrible. C'est votre condo. C'est pas comme juste un appart que t'es comme « Ah, m'a déménagé dans 3 mois. » Vous avez acheté. Là. Mais même si c'était à quelqu'un d'autre, c'est que ça fait... Là, il faut que ça s'enlève. Là. C'est supposé d'être réglé ce mois-ci. En fait, c'est ça qui arrive. C'est au mois de mai. Mais en fait, c'est supposé d'être d'ici le mois de mai. Mais il y a des gens qui interprètent le fait d'ici le mois de mai par d'ici le mois de juin.
c'est vraiment le français n'est pas une quelque chose qui est vraiment acquis par tous. Mais c'est ça. Fait que là, on se fait chier encore avec lui aujourd'hui, envoyer des courriels à jaser avec lui sur Internet et blablabla. Fait que là, on est dans. Ça sort quand ce podcast-là, par exemple? Vendredi prochain. OK, parfait. Ouais. Oui, c'est ça. Il va avoir reçu la mise en demeure. Et c'est tellement... Pour moi, il y a tellement donné de temps pour ne pas arriver dans des procédures judiciaires parce que ma blonde et moi, on était « Hey, ça ne tente pas de nous embarquer là-dedans, pour vrai. C'est de l'énergie, c'est la perte de temps. Ouais. On va y donner la chance de l'enlever puis de faire ça. Nice. » Et c'est vraiment une mauvaise personne. Vraiment pas... Il est vraiment pas fin. Non, j'ai tout le temps une pensée pour toi quand je passe devant. Hey, j'habite pas loin de chez Pascal. Là, puis à chaque fois que je passe devant ce Valmont-là, j'ai une petite pensée pour le pauvre Pascal qui pleure à la fenêtre. Hey, c'est vrai. T'entends le condenseur. J'ai ça à côté de mon ordinateur parce que je porte ça toute la journée pour travailler. Je peux pas travailler sans ça. C'est clair, c'est horrible. Tabarnak, même, c'est intense. J'en ai sur le bord de mon lit, j'en ai sur mon bureau. Est-ce qu'on le voit par la fenêtre si je fais ça comme ça? Ah oui, on le voit, regardez. Tu vois la grosse machine? Ah ouais, okay. Ouais, okay. Oui, en arrière par la fenêtre. Bon, ben, il y a 4 ventilateurs comme ça. Ça mesure genre 6 pieds de haut par 6 pieds de large. Tabarnak! Hey, c'est hot, hein? C'est smart en esti. Je pensais que ça avait fini de fermer les Valmont. Ça marche encore. Ouais, mais ça marche à côté, en fait. Les normes municipales de décibels que c'est supposé d'avoir à nos fenêtres, c'est maximum 38 décibels. Puis on fait faire un test par des professionnels, puis on est à 58, mais dans le meilleur des états. Fait que, tu sais, on peut monter à 65, 70. Ouais. C'est ridicule. OK. Mais au moins, t'as le code assez béton, au moins. Là. T'as l'air d'avoir un dossier, tu fais. Ben oui, là, tout ça, tu sais, on a... Tu sais, les chances qu'on perde en cours sont minimes, en fait. Et c'est ça qu'on dirait qu'ils réalisent pas, qu'on a été super fin, puis d'être juste cool avec nous parce qu'on a attendu, puis on était patient, puis finalement, il est de pire en pire. Ah ouais, il devient arrogant, genre. Ah ouais, il répond pas au courriel. En tout cas. Hey, puis vous autres, sinon, c'est crossé quand? Désolé d'avoir replongé dans la terreur, Pascal, en début d'épisode comme ça. Mais ben, pour on en parle tous les jours, je suis tellement tanné. Là. Ouais. C'est qu'on dirait qu'à chaque fois que je suis capable de zoner out, je suis allé faire des shows genre à Val-d'Or, lundi, mardi. Ouais. J'étais tellement content de dormir dans un hôtel qui sent l'humidité. Là. C'est comme, mais mon Dieu, je suis dans un palais en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est les premiers shows que tu as fait depuis, mettons, que les salons fermés l'été passé, la fin d'été? Ou? Non, je l'ai fait quand même quelques-uns. Là. Ça s'accumule. Là. Puis là, j'en ai d'autres. Puis là, on va faire des rodages au terminal vers la fin du mois avec Frankie Laff puis Charles Deschamps. OK. On va faire du rodage, là, 3-20 minutes là, de nouveau stock. Là, ouais. Ah oui, c'est vrai. Je voulais acheter des billets pour ça, mais ça a été déplacé. C'est-tu sold out? Là, on va mettre deux heures dans la journée. On va en faire un show à 7h30, puis on va faire un show, je pense, à 6, de 6 à 7, puis 7h30, 8h30, genre. Okay. Ça va être ça, le goal. OK. Ah, c'est vrai, parce que cool. le couvre-feu à Montréal est revenu à 9h30, right? Oui, lundi, oui. Vous autres aussi, ça arrive ça, oui. Oui, en fait, ouais. Il n'a pas redroppé à 8h, nous autres, dans le fond. Tu sais, quand ils l'ont mis à 9h30, ça a juste resté 9h30. Oui, parce que vous autres, vous êtes sages, là, des belles petites. Ah oui. Faites pas des petites manifestations. Es-tu allé manifester, toi, Pascal? Pour vrai, j'étais en avant. J'étais dans toutes les photos. C'est moi qui ai les plus belles pancartes. Écrit « Mon masque, c'est moi-même. Pas besoin du vôtre. » Des affaires comme ça. Une grande ligne de génie. J'entendais Dave Leduc qui parlait de ça. Je sais pas si c'est qui, Dave Leduc? Non. C'est genre un champion de lightway, genre c'est comme l'équivalent du Muay Thai, mais en Birmanie, puis genre ils ont le droit au coup de tête, puis ils n'ont pas de gants, en tout cas. Mais le gars là-bas, ouais, c'est comme leur sport national, fait que là-bas, c'est une superstar, puis en tout cas. Whatever, mais là, il est revenu ici, puis là, genre, il était super vocal avec le fait que, genre, ils ont fermé le gym à un de ses chums dans le coin de Gatineau, je pense. Ils ont fermé tous les gyms. Oui, ils n'ont pas juste fermé son gym. Lui, parce qu'il y avait un gym, de MMA. Fait que, tu sais, tu peux pas vraiment faire de cours à part si le monde travaille direct. C'est un sac, c'est dans le bout qu'il avait réouvert, je pense, les gyms. Dis-tu avec un masque, c'est... Parce que, en gros lui, il se promène, il rentre dans des places, puis il dit qu'il n'y a pas de masque, puis il dit « j'ai pas besoin de mettre de masque parce que j'ai une condition médicale », puis quand le monde dit, mettons un policier, il demande « c'est quoi ta condition », il dit « j'ai pas besoin de te le montrer », puis ça a l'air que le monde le laisse aller, puis le gars, c'est son petit combat, là. Il met pas de masque, puis il peut rentrer dans les places. Ben, c'est cool, ben en fait, c'est juste, ce que je trouve plate de ça, c'est que c'est pas pour toi que tu te protèges nécessairement, c'est pour les autres, fait que
Il y a quelque chose de très idiot là-dedans, en fait, dans le fait que... Puis très égocentrique. Puis, puis c'est ça, c'est comme la manifestation. C'est juste, non, mais c'est pas pour toi là, que tu es en santé, ta gueule, félicitations, mais protège-toi pour pas tuer du monde vert comme Jeff dénommé, qui est si... là, j'ai l'air d'être Hulk. On dirait que je suis dans Marvel. T'es pas dans Marvel. T'es pas fort. T'es pas musclé. T'es juste... Check ça, mes guns! Oh! C'est vrai que c'est quand même des bons guns. C'est pas vrai, j'avais pas... Ah non, je sais pas. Tout le monde en met. Two tickets for the gun show! mais oui, non, c'est horrible. J'en parlais avec Barnick, avec qui je fais le Chilling Podcast. Puis lui, il faisait juste sortir plein de manières qu'on pourrait troller cette manifestation-là. Tu sais, juste se mettre à l'avant avec une grosse banderole écrit genre Laurent Duvernay-Tardif va nous sauver. Appelle Laurent. C'est juste call Laurent. Call Laurent. Non. Mais tu pourrais rester fou, la Val d'Or, parce que, tu sais, eux, ça commence à ouvrir, tu sais, la vie. Fait que, tu sais, de juste voir. Tu sais, nous, on peut pas rester dans le bar après le show, tu sais. Ouais. Nous, la salle de spectacle, quand c'est fini, on s'en retourne à l'hôtel. Faut agir comme si on est dans une zone rouge. Ouais. Fait que, tu sais, ben oui, on arrive pour le show, on s'en va dans la loge, on sort pas de la loge. On mange, on fait nos affaires là, puis après ça, on décolle à l'hôtel, puis on s'en va dans nos chambres. Puis comment ça fonctionne? Tu mettons, je sais pas, mais un policier vous arrête, par exemple, genre le fait que tu as été faire un spectacle, ça fait-tu en sorte que tu n'auras pas de trouble? Je suis totalement au courant, là, pour être honnête. Ben, je veux pas de trouble, il faut que je sois rentré aussi là, à l'heure des Montréalais, là, mais j'ai des papiers. OK. Faut suivre la réglementation, c'est que tu suis les réglementations de où tu viens, pas de la région où tu es. Ah, OK. Fait que quand tu es en code jaune, par exemple, tu es en jaune zone, puis tu t'en viens dans une zone rouge, tu peux exiger l'ouverture des restaurants, tu sais. Parce qu'il faut t'agir comme quand tu es chez vous. Fait que si tu vas bruncher à tous les dimanches, ben tu fais comme l'effrayer, tu me laisses m'asseoir. Je vais te prendre une banquette, s'il te plaît. Non, tabarnak, il y a l'autre. Là, ça doit marcher les deux sens. Dis-moi pas que ça marche juste de l'autre sens. Ce serait con. Mais ça te faisait chier de pas rester au bar. Mettons, ça fait quand même longtemps. J'imagine que t'as pas dû chiller dans un bar. Eh bien, oui, n'importe qui. Là, moi, je regardais le monde boire puis t'as chillé. Mais on était dans la loge puis on avait comme une serveuse qui venait nous porter des verres. Fait qu'on buvait de la bière en fût dans notre loge. On était contents. Comme le petit forain, genre la bête de foire de cirque qu'on sort de sa cage le temps du spectacle. Puis après ça, oh, retour dans le carrosse. Exactement ça. J'étais le petit panda. Ça, c'était quand même cool, ça. Mais ça va revenir bientôt. J'ai hâte de me faire vacciner. Là. J'essaie de trouver une place où c'est qu'ils, genre, ils font comme « Hey, il nous reste des vaccins, faites-vous vacciner. » Tu sais. Je veux trouver cette place-là. Mais toi, ça doit être bientôt quand même. T'as quel âge déjà? Moi, je suis dans la 30-35-40. Fait que c'est vendredi, je prends mon rendez-vous. Ah, c'est ça. Ah, vendredi, hein, c'est pas si pire. Ah, c'est bientôt, cool. Ben oui. Ouais, mais ça arrive pour tout le monde. Là. Moi, j'étais un peu out of the loop. Puis à un moment donné, j'ai juste vu ma mère qui m'a envoyé un message comme ouais, parce que c'est ma mère qui me dit va te faire vacciner, là, crise de classique. Mais genre, comme. Elle m'a juste envoyé toutes les dates. Puis je suis comme tabarnak. Genre, c'est comme littéralement tout le monde dans le même mois. Là. Puis je pensais pas que ça allait jamais arriver là, parce que la cadence voulait pas ça. Comment? Ils veulent gauler tout le monde pour le 24 juin. Là. Oui, sérieux, c'est fou. Je sais pas si les mesures vont baisser tant que ça après la première dose. Peut-être se relaxer un petit peu, mais Francophonie et Festival de Jazz a lieu en automne. Fait que. Yeah, that's what's gonna happen, guys. Ils font tout ça pour le festival de jazz, dans le fond. On va aller faire des mains jazz même toute la journée. Des mains jazz! Oh wow! Ah, c'est le même que pour les gens qui t'as du jazz quand tu restes à Bel-Oeil. Oh my god, j'avais vu un gars maintenant au festival de jazz, il te jazzait ses mains là, comme personne. J'étais en arrière de lui puis il était. Je regardais même pas le show, je le regardais swinguer, là, c'était merveilleux. Ah, oh, bon, avec, j'étais allé voir un show de ska, je pense que c'était les Planet Smashers, puis c'était comme un show extérieur pendant le Pouza Fest, là, au parc, je pense que c'est Milligam, là, pas certain. En tout cas,
parc quand même gros à Montréal. Là, puis puis moi, ça, il y avait genre une espèce de monsieur, tu sais, un peu efféminé, mais qui faisait danser, genre, mais non-stop pendant tout le show, mais il était tout seul, genre, il y avait vraiment personne autour de lui. Le long, je savais que le regarder, puis j'étais content. J'étais comme, pour vrai, il me rend heureux, ce monsieur-là. on s'assumera peut-être jamais autant que lui. Ben oui. Ah, clair. Toute notre vie. Genre, je vais mourir, puis j'aurai même pas la moitié de son aisance. Ben non. Il avait même pas défoncé ou sous le gars, il était juste, genre, content d'être là. J'étais comme, let's go. Il avait juste le rythme dans le sang. Ouais, c'est vrai, dans les shows de musique, tout le temps ça, genre une espèce de madame un peu hippie, mais genre pas assez vieille pour avoir été dans cette époque-là, genre, puis juste comme danser sur le stage comme des estimes mouvements de danse qui se peuvent pas, là, puis genre, elle est dans sa bulle. Ça me fait capoter, c'est bon. Ça me fait capoter genre, ce monde-là. Genre, prôner le fait qu'elle a le droit de pas porter de brassière, qu'on est comme tout. Ben oui, porte-en pas. Ben oui, tu fais ce que tu veux, tabarnak, sans Christ. Tu genre... T'as-tu travaillé pareil pendant le confinement, genre, avant que les shows recommencent? T'as-tu trouvé des shit ou... Ben oui, ça, j'ai été caissier au Uniprix. Ah, c'est vrai? OK. Ils m'ont voulu d'avoir ri. Ben, ce serait quand même malade. Ce serait malaisant aussi, j'imagine, de rencontrer des gens qui t'ont vu à la télé ou peu importe, puis genre juste comme... « Hey, man, c'est cool, all right! Ouais, » Ouais, c'est ça, j'ai ces condons-là que je viens m'acheter. On dirait le début de Eastbound and Down. C'est quoi, ça? C'est Danny McBride, c'est genre sur... c'est comme un ancien joueur de la MLB, genre, qui tombe dans la poudre, puis tout. Puis là, tu sais, le début de l'émission, c'est ça. C'est genre, tu le vois comme... Il y a un rise and fall super quick parce que le gars est devenu lazy puis il se prenait pour un autre. Ouais, puis c'est juste une astuce de marde. Il est improvisé dans son école, genre. Puis là, il joue encore le big shot, mais c'est malade pour eux. Ah, man, Bright, c'était une chance de voir ça, là. Le film de Seth Rogen, non? À qui t'a parlé? À toi. Ah, je m'excuse, j'avais pas entendu mon nom au début, j'ai juste entendu la fin. Mais non, j'ai pas vu ça. Toi, Jeff, l'as-tu vu? J'ai pas compris le titre. This is the end ou Is Born and Down? Ah, ben oui. Is Born and Down, non. This is the end, totalement. Ouais. C'est quoi This is the end? Voici la fin. C'est Seth Rogen puis James Franco, toute cette clique-là, mais ils jouent comme leur rôle dans la vie. Il y a un party à Hollywood, je pense, whatever quoi. Puis ils sont tous là, plein de stars, genre plein de monde qui font du PR. Puis là, boum, la fin du monde arrive. Puis c'est juste comme les bonnes personnes qui sont choisies pour comme être sauvées. Fait que tout le monde du show business meurt à peu près. En tout cas, c'est malade. En tout cas, t'avais des personnages chinois là-dedans. Puis si tu l'avais vu, peut-être j'aurais pu. En tout cas, on s'en calisse. On s'en calisse. Mais non, j'ai quand même travaillé pas mal. J'ai des shows Zoom, des trucs de développement, des affaires. J'ai travaillé beaucoup là, sur bien des projets, en fait. Ouais. Puis il y a bien des choses qui s'en viennent dans l'avenir. Pour moi, en fait, ben, depuis le début, le premier confinement, il y a eu le prochain stand-up. Ouais. Il y a eu Rose Battle, j'ai eu 3 galas. Ouais, il y a comme eu un beau buzz pour toi pendant que ouais. comme tout le milieu de l'humour s'est arrêté. Puis toi, t'as comme continué avec la télé, c'est cool. Puis ça s'est fait comme naturellement. Tu sais, je pense que ce buzz-là serait arrivé, pandémie ou pas. Puis c'est un bon timing, je trouve. C'est nice, ça. Ben oui, c'est super le fun pour vrai. Moi, ça, tout ça a super bien été. Tu sais, le fait que je perde en plus contre Charles Deschamps puis que tout le monde voit que c'est une injustice puis que j'aurais dû gagner, c'est vraiment... Oh oui. C'est que je suis mauvais perdant. est-ce que mettons, si tu leur fais genre un de tes buts, ce serait de te re-ramasser contre lui pour le péter? Genre, ah non, non, je ne vais jamais le refaire. Là. Non? Non, non, j'ai fait le prochain stand-up une fois. Fait que là, c'est pas moi le prochain stand-up, là, c'est clair. Je suis prochaine ballerine, je sais pas. Mais non, non, je ne referai pas ça. Là. Genre, Rose Battle, je le referai. Là, si ça revient et il me le demande, là, ça, je le ferai. Ouais. Tu ferais-tu American Gladiator? C'est quoi ça? Non, qu'est-ce que c'est? Mais j'aimerais ça faire Rose Battle en anglais. Ah, ben oui, ils ont recommencé à faire au Comedy Store à LA. Le monde, ils sont bons, là. Ils sont forts, ça joue rough. Ah, oh, man. Ça, là, j'aimerais ça vraiment. En plus, quand c'est live, c'est no holds bar. Là. C'est pas comme dans la TV où c'est que tu peux faire. Ouais, tu peux pas, genre, tuer la personne tout le temps sur scène. Puis là, puis là quand c'est live, tu peux dire, genre, n'importe quoi. Fait que ça, c'est cool. Ah, ouais. C'est ça que tu m'as montré une vidéo, GF. Ouais, c'était juste un clip de ça.
Dans le fond, moi, j'en ai écouté une couple, mais oui, ils sont bons. Là, ben, là-bas, au Comedy Store, moi, j'ai checké le documentaire fait là-dessus aussi récemment sur le Comedy Store, tous ceux qui ont été fucking bons, là, puis qu'on n'a jamais entendu parler, mais qu'apparemment, ça détruisait tout le plancher à chaque fois. Puis t'as des gros stars qui avaient peur, de les suivre. Mais tu sais, eux, ils n'ont jamais été connus plus que, mettons, soit être des road comics ou tout ça. Fait que tu sais, ils ont une belle carrière, mais tu sais, ils sont pas Dave Chappelle. Le documentaire est vraiment nice. Puis je sais pas, moi, cette place-là, j'étais allé au Comedy Store, moi, à Londres. Mais le Comedy Store à LA, c'est une place qu'il faut que j'aille à un moment donné. Voir ou faire un open mic, n'importe quoi, juste donne-moi une minute au pire. Puis, ça doit être plate, être un humoriste qui détruit tout, puis même à ça, genre, ça marche pas, tu dois te dire, Chris, c'est ma face, c'est style. Genre là, j'ai plus rien à apprendre de mon métier, mais ça marche pas. Genre. Non, mais ça marche pareil. C'est ça. Mais c'est pas grave, tu sais, dans la mesure que tes objectifs à toi puis tes propres buts. Le succès, je pense pas que c'est être la plus grosse star. C'est être le plus drôle possible pour toi puis réussir à gagner ta vie de ça. Après ça, si t'es genre... Mais Chris, avoir une Porsche, pas si pire que ça non plus, là. Non, mais tu peux très bien gagner ta vie sans être de la superstar. Mettons, moi, je suis fuck all connu puis je gagne bien ma vie. Ben là, il y a plus d'humour là, pour l'instant, mais avant que l'apocalypse... Là, t'es au Uniprix. T'es caissier Uniprix, maintenant. Mais pendant un bout, j'étais caissier au couche-tard pendant que je gagnais quand même bien ma vie en humour, puis je faisais comme un chiffre par mois. C'était ridicule. C'est la chose la plus... Un chiffre par mois? Ton boss a juste fait... Non, mais j'étais comme, tu sais, c'est un revenu là-bas. Moi, je me servais de cet argent-là juste pour me payer du luxe. J'étais comme, c'est quelque chose que dans mon budget, c'est prévu. Tu sais, un chiffre par mois, c'est rien. C'était à côté de chez nous. Je faisais une petite soirée tranquille. Le résultat, j'étais comme, non, là, je veux pas être là. C'était juste comme sécurité dans ma tête. Mais ça, c'était quand même drôle. J'étais comme, un chiffre par mois, ça, c'est le plus ridicule que j'ai eu une day job. Ouais. Est-ce que tu veux que genre des clopes, si? Genre, tu veux pas faire comme 200$ en un chiffre? Non, mais ça donne, mettons, juste le truc pour acheter du foie gras, là. Je comprends. Non, mais c'est quand même quelque chose que souvent les humoristes ont fait. Là, on se garde une petite sécurité jusqu'à ce qu'on fasse comme bon, mais là, c'est le temps que je me lance pour vrai. Là, parce que si à un moment donné, ça plante au complet, tu peux demander 2 chiffres par semaine. Tu comprends? C'est ça, je t'ai le pied dedans. Tu sais, ouais, finalement, il ferait peut-être pousser mardi. Mais juste pour revenir, il y a du monde aussi au Québec là, qui défonce tout d'un bar puis qui sont moins connus que d'autres gens qui défoncent moins, qui ont moins d'argent ou qui sont. Puis tu sais, tu fais comme pourquoi, tu sais, puis tu regardes, puis tu essaies de comprendre pourquoi, puis en tant qu'artiste, humoriste, tu essaies de faire c'est ça le problème, c'est pour ça que cette personne-là rentre si fort, mais elle vend moins d'étiquettes que l'autre personne qui rentre moins fort, puis de comprendre, c'est. C'est quoi les forces des gens qui vendent des tickets? C'est quoi les faiblesses des gens qui en vendent moins, tu sais? Ouais, c'est clair, parce que c'est quand même quelque chose d'aberrant, là, un petit peu, là, de quelque chose qui est très bonne dans quelque chose. À ton avis, ça serait quoi? Mais demande-toi juste, là, les artistes que t'aimes le plus, les humoristes que t'aimes le plus, pourquoi t'es aimes le plus? Pourquoi t'es, genre, c'est sûr, tu fais comme, Chris, je veux vraiment voir ça. Puis pourquoi un genre d'autres personnes que tu vas faire, esti, moi... Oui, c'est drôle, mais il me semble que je n'irais pas payer un ticket. Ouais. C'est genre juste une coche, en fait. C'est genre une petite affaire de rien qui sépare un de l'autre, finalement. C'est genre... Ouais, c'est peut-être de quoi être gros. Tu sais, des fois, il y a des gens, tu fais comme, « t'es super drôle, mais on dirait que t'es antipathique. » Tu sais, on dirait que la personne est antipathique. Tu fais comme, « t'es vraiment drôle, puis il me semble, mais je me sens quand même pas bien après. » Ton set. Ouais. Tu comprends ça, ce genre de feeling-là? Tu fais comme, Chris, pourquoi je me sens comme une merde, mais j'ai ri? Ben, ce feeling-là va faire en sorte que tu n'auras pas le goût d'écouter le show de la personne puis d'acheter un show de cette personne-là pour aller faire comme me sentir mal pendant 1h30, tu sais. Ouais. Mais il y a aussi le hit factor, tu sais, la chose qui fait qu'on peut pas vraiment mettre le doigt dessus, mais qui fait que, tu sais, genre, c'est probablement du charisme énormément aussi, là. Ça change toute la donne. Si tu vois quelqu'un de très, très drôle, mais peu ou pas beaucoup charismatique, là, tu sais, genre, il y a peut-être ça aussi, je pense. Il y a comme, tu sais, comme, par exemple, Mariana, là, on se demande pourquoi, on se demande pas, tu sais, on sait pourquoi elle vend 300 000 tickets. On le sait.
est honnête. T'as pas l'impression qu'elle est bullshit. Tu sais que tu vas voir le vrai humain. Il y a quelque chose de très le fun. Elle est drôle, elle est bonne. Elle a un point de vue. Puis elle décomplexe plein d'affaires chez les femmes, tu sais. Fait qu'elle te fait sentir bien ouais. après son show. Les personnes qui apprécient ce qu'elle voit, tu sais. Ah ouais, OK. OK, je comprends ton point. Pas le même niveau de vente de billets, mais un autre comme Ben Lefebvre, je trouve que ça se dégage beaucoup aussi en lui. Très real, très genre, c'est ça qui se passe, puis il y a quelque chose de libérateur quand tu le vois, un peu comme genre juste un punching bag qui se fait fesser un peu tout le temps. Mm. Mais tu prends d'autres humoristes, en fait, que tu vas faire comme, me semble, sont plus punchés que Mariana, ça se peut, tu sais. Puis on va pas en nommer, là, mais qui vendent beaucoup moins de tickets ou ils ont même pas de show solo, tu fais comme, mais Chris, pourquoi? Ben, elle a ça qui prend son humour et qui transcende l'humour à autre chose. Puis qui fait en sorte qu'elle offre quelque chose de complètement unique. Toi, comme Mario penses... Jean, on le voit plus, Mario Jean, c'est-tu? T'es écœurant, lui. On le voit plus, tabarnak. Il vend encore d'étiquettes, pour elle. Non, ouais, c'est clair. Ah, sûrement. C'est juste sûrement. qu'on parle pas avec ces gens-là, en général. Qui... Vous l'avez pas invité à 11 barricades? Ben oui, on l'a invité. Non. J'ai croisé à l'épicerie. Mais c'était mon coach de... Ouais, c'était mon coach de baseball quand j'étais jeune, mais je doute très fort qu'il se rappelle de moi. Ben non, si ça rappelle, Phil. Ben, invitez-le. Il habite pas à Saint-Julie, justement. Tu sais, après. Ouais, il habite à Saint-Julie. Je pense que ça peut marcher. Justement, on parlait, Pascal, dernièrement, tu sais, mettons, avec le confinement, puis tout ça a commencé à genre. Pas que ça allait pas bien avant, là, mais tu sais, genre, là, en ce moment, ça. Non, mais en tout cas, tu penses que ça peut changer, mettons, avec ton attitude sur scène, genre, mettons, qui fait que ça explose plus, genre. Ou... En gros, ça fait. Parce que ça fait 5 ans que tu pédales dans le vide. Ça fait quoi avoir un petit peu de reconnaissance? C'est ça que je veux dire. Moi, je t'ai toujours trouvé super bon pour rien. Je sais, j'ai toujours été bon aussi. Hey, c'est un bon acteur. Oh, c'est grâce à Florence. Non, les trucs sont bien alignés. En fait, j'ai juste. En fait, j'ai eu de l'exposure au bon moment aussi, là, où c'est que j'étais rendu capable de faire aussi passer mon message de façon peut-être plus nuancée, plus fun, plus hypocrite, plus qui fait en sens, genre, qui fait réfléchir les gens, mais qui fait quand même sentir super bien après. Fait que, après ça, j'ai eu plein de petites opportunités. T'sais, j'ai joué dans un film, j'ai fait 5 jours de tournage sur un film. Ah oui? C'est ben, le film n'est pas sorti, j'imagine. Ouais, c'est ça. Les boys! Dis-moi que c'est les boys! Moi, je sais c'est quoi, mais je sais pas si où je l'ai entendu, à moins que ce soit un autre film. Hein. J'ai joué dans. Mais c'est en lien avec Mariana. Mais t'as deux. Oui, j'ai joué dans le film Maria de Mariana Mazza, ouais, c'est ça. Ah, oh, nice, ok. Nice. C'est celui que Alec Pronovo y réalise? Ouais, c'est lui. Ah, oh, nice. Ok. Ah, cool. C'est nice. Ah, ben, je pense que c'est là que je l'ai su. C'est quand on l'a reçu, Alec, je pense qu'il en a parlé. Ouais, je pense. Ben, je savais pas que tu. Que tu étais dans le film, par exemple. Là. C'est très cool, sérieux. Ouais, j'ai joué là-dedans. J'ai joué dans une couple d'autres affaires télé, les gars-là, puis tout. Fait que c'est vraiment cool. Puis là, il y a des belles affaires qui arrivent pour moi dans l'avenir. Fait que là, c'est pas encore annoncé. Fait que je peux pas vous annoncer rien. Ouais. Mais, non, c'est cool. Mais c'est probablement la dernière fois que je fais votre podcast. Je comprends. Ben oui, c'est dans la nature des choses. Moi, je te verrais comme fou du roi. J'aimerais tellement ça de l'essayer une fois. Là, j'ai regardé Chris, c'est vrai. Mais Anaïs est vraiment bonne. Puis j'étais comme, il me semble que j'aimerais ça être là, juste une petite shot. Juste... Ah ouais. Ouais. Mon ton marcherait. Ouais, t'as un petit peu de mal. C'est parfait. Pour rattraper, je me suis dit, tu es fucking méchant, puis mean. Genre, t'es bon pour rattraper, puis genre, c'est comme, ah, je sais qu'il y a. Ouais, mais ouais, c'est ça. T'as pas le ton, là. Je vais dire que, ah, comme, fait que c'est ça. Fait que, ah, ok. Ouais, c'est clair. Mais j'aimerais ça en fait laisser une shot, mais je sais pas si je sais pas comment il fonctionne, mais j'avoue que. Fais le truc de Jean-François Mercier, OK? Fais juste y envoyer 1000 cartes que tu as écrites, puis dis tu peux en choisir genre autant que tu veux là-dedans. Puis genre peut-être que ça va l'impressionner assez. On sait pas. Je vais y écrire à Guilla sur Facebook tantôt là. Ben oui. Twitter, t'as plus de chances qu'ils te répondent. Twitter, OK. Mais t'as trouvé ça comment, l'expérience sur le plateau pour un film? Non, c'est super le fun. C'est la première fois que tu jouais, genre, ben, tu sais que t'avais fait des pubs et tout, mais c'est la première fois, mettons, que tu jouais, mettons, de... Mettons, je sais pas... Dans un film, sur la fin de la France? Une série, genre? Oui, je pense. C'était mon premier rôle
vrai, vrai. Puis c'est quand même un gros rôle. Fait que c'est quand même vraiment le fun. Là. C'est pas je parle, puis il y a beaucoup de lignes, puis j'ai beaucoup de... Fait que tu sais, des fois, tu fais un rôle, tu fais comme ouais, mais là, je dis ça va être tout votre commande. Ouais. Un peu plus poche. Mais tu... vraiment, vraiment le fun, en fait. Je le referais, là. Ouais. T'as-tu trouvé ça un peu intimidant au début? T'avais-tu le syndrome de l'imposteur un peu? Ou... Pas tant, en fait. Vu que les shows étaient comme arrêtés, puis j'étais comme, ah, je vois des gens, j'ai du fun, je suis là, j'étais comme, moi, juste le faire le mieux que je peux, puis that's it. Parce que je l'ai fait, en fait, parce qu'à cause de la COVID, ma blonde, elle avait un rôle, fait que c'est moi qui ai eu le rôle du gars. Parce qu'il fallait que ce soit les couples pour qu'on puisse se frencher. Fait que je l'ai eu à cause de ça. J'ai même pas, je le méritais même pas. Genre, j'ai même pas fait d'audition. Oh, vu, c'est, ouais. Ça, c'est à ce point-là à quel point je ne méritais pas ce rôle-là. mais ça se passe bien été, puis plus. Es-tu allé méthode acteur, genre, OK, là, tu m'imaginais comment? Genre, tu demandais à Alex, là j'étais-tu bad boy un peu, comment? Genre... Ben, je l'ai fait, on a fait des lectures de texte, puis il a fait, non, mais reste plus là, puis... Ça a été vraiment, vraiment bien, pour vrai. On m'appelait One Take Cameron, en fait. Parce que one The One Take! All right. Ah, ben c'est cool, ça. C'est cool. Ouais. Ça doit être le fun, quand même, de même travailler comme un peu le personnage, genre, ou ta prestance comme avec un réalisateur. Ça doit être weird, quand même, comme ben oui, expérience. Là, j'ai eu d'autres genre, d'offres d'audition. Là, j'ai fait un self-tape pour jouer à un professeur d'école dans une série, tu sais. Fait que là, un directeur adjoint. Fait que j'ai dit, ah, c'est cool, ça, pour vrai. Fait que c'est une bonne affaire. Puis c'est une bonne affaire, pour vrai. Puis c'est un rôle comique que tu vas faire ou. Half and half, je pense. Ouais. C'est plus un half and half, ouais. Mais je joue du drame, moi. Je veux pas jouer du comique. J'aimerais ça jouer du drame. Ah ouais, pourquoi? Ouais, ça me plaît. Je suis drôle sur scène, ça, c'est vraiment ma job, mais j'aimerais ça faire un tueur en série à un moment donné. Ou genre comme un pédophile weird. J'aimerais ça faire un esti de rôle fucked up de quelqu'un qui respire fort, tu sais. C'est très nice. Ça fait un bel contraste aussi avec ce que tu fais normalement. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est un genre de personnage qui prend juste trop de temps là, sans fixant avec un petit sourire dans le coin. Tu sais, pour définir le genre de... Un statique cancéreux. Ça serait drôle que malgré tout, il te rajoute des cheveux. Enfin, ça. Non, c'était pas gentil. Je m'excuse, Pascal. Je t'ai fait de la... C'est comme si je faisais des jokes sur ton poids. Mais vas-y. mais pour la chose qui est plus grosse que le poids de Jeff Denomé, c'est la carrière de sa blonde. Oh. C'est vrai qu'elle a une bonne carrière, ça va super bien. Ça ne m'a rien dit. Mais ouais, juste pour voir quel genre de rôle tu aimerais jouer, c'est quoi, mettons, si tu avais à remplacer un rôle qui existe déjà dans un film qui existe déjà, ce serait quoi, genre, ton rôle de rêve, mettons, là? Genre de... Dans. Ah, te bouge pas, je suis pas bon pour les noms. C'est un film de Quentin. C'est Kill Bill? On tourne la table au début avec I Don't Believe It. Ouais, Inglourious Basterds? Non. Reservoir Dog. I Don't Believe In Tips. Ah, c'est ça. Personnage-là. Ah, Steve Bucci. Ah oui! Ah, mon Dieu! Ah, tellement! Mon Dieu! Mais ça fait très que ton casting, en plus, sérieux, je te verrais avoir ça, genre, c'était... Ouais, ça fit très. Ouais, ça... restaurant, c'est ça qui est hot. C'est ça. T'as l'air cheap, Calis. C'est sûr que ça marche. Non, mais. Mais c'est vrai, je t'imagine l'affaire de le faire, cette espèce de petit bout-là. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça marche bien. Genre ça ou un genre de. Un film à la Robin Williams, là, que tu donnes espoir aux gens là, avec un gros... C'est pas ta faute! C'est pas ta faute! Mais je sais pas s'ils ont tourné... Je sais pas s'ils ont tourné le film Le Parfum. Ça existe-tu? Je pense qu'ils ont fait un film de ça, ouais. Ben, le personnage du film Le Parfum, j'aimerais tellement ça. Je suis sûr que je suis pas assez bon pour jouer ça, c'est sûr. Mais Chris, c'est hot. Est-ce que vous l'avez lu, les gars, Le Parfum? Ouais, je l'ai lu au cégep au secondaire, je me rappelle plus. J'ai lu Amos d'Aragon. Puis c'est tout.
Mais Phil, le mon parfum, père avait du parfum, par exemple. C'est. Ah, ouais. Sors-toi. C'est vrai, c'est vrai, mon père avait du parfum. Je ne sais pas si c'est ses proches. Non, mais c'est ça un ressemble gars. À ça, là. C'est un gars qui devient fucked up avec les odeurs. Ouais, il sent tout. Ça le rend. Oh! Puis, ouais. Il fait des fixations là-dessus. Ouais. C'est ah, oui, mais oui. J'ai entendu parler du livre, en fait. Je me suis fait raconter la fin. Où est-ce que... Bon, en tout cas, je spoilerai pas le shit qui est sorti en, mettons, 1820, je sais pas quand, là. Ouais, mais, en tout cas... Oh, mon ouais. Dieu, la fille rousse, pour vrai, là, mon Dieu, a l'air de sentir bon. Ouais! Alors, c'était nice comme livre. Je me rappelle, ouais, ils ont fait un film là-dessus. Ça s'appelle-tu Le Parfum? Français, si je me trompe pas, mais je suis pas certain. Je suis pas certain. OK. Va checker. Ouais, mais ouais, un rôle de même, j'aimerais vraiment ça. Ouais. Même, tu sais, un petit rôle dans non, c'est un, là, c'est... T'sais, une saison, c'est que je suis genre le meurtrier qui essaie de pogner. Tout ce que tu veux. Serais-tu... Ah, tu serais-tu capable de jouer un pédophile ou tu sais, quelque chose, mettons, qui pourrait aller contre tes valeurs ben oui, c'est profondes, mettons. C'est, ça, ouais. C'est un jeu, tu sais. Ouais, comme... Oui, je sais, clairement. Pourquoi, je sais, mais... pas l'enfant pour vrai, tu sais. C'est pas... Il y a une scène où est-ce que, genre, tu fais juste comme donner des coups de hanche à les fesses d'un kid, t'es comme, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, moi, Chris? Ouais, écoute la pédophilie juvénile, c'est juste pour se mettre dans le personnage. Ah oh, ouais, ouais, je comprends. C'est OK, je comprends ce que tu veux dire, OK. OK, okay so wrong, it's right. OK, je comprends. Je comprends. OK, parfait. J'offre des bonbons. J'ai vu dans la rue tantôt un monsieur offrir des 5$ à des kids en disant, allez vous acheter des bonbons. Et les kids ont fait, fuck you. Puis ils ont fait... Tabarnak. Et puis moi, je passais en même temps, puis j'ai regardé le monsieur, puis après, il a pris son argent, puis il l'a remis dans ses poches. Ouais, c'est ça, monsieur. Hein. Oh, wow. Pas si jeune, là. C'était genre du 11-12 ans, là. C'était pas du 5-6 ans. Fait qu'il était quand même assez vieux, là. Ah, ouais. C'est un épais, dans le fond. Il est pas capable de. Il est pas bon dans la pédophilie. Mais il avait l'air un peu creep aussi, là. Il avait sa bière à côté sur le bar, puis il offrait des 5 piastres à des kids. C'est très bizarre. Ouais. Tabarnak, man, hostie. Ah, c'est il voulait vraiment juste offrir de l'argent à l'équipe parce qu'il y avait de la douce. Puis il fait comme, moi, c'est clair, j'aurais pris l'argent. Là, étant hey, j'espère que c'est ça qui arrive en ce moment. Là. J'espère aussi parce qu'il est en bas de chez nous. Mais ce serait malade pour vrai que genre lui, il est rempli de bonté, il donne 5 piastres aux kids, son cop. Mon esti de pédo de calice, je vais appeler la police. Il frappe, genre. Puis... Mais c'est cool que les enfants soient aussi aware que ça. Il n'y a personne qui a genre douté. Il n'y a personne qui avait. T'es comme ça. Ouais. Non, ouais. Continuer à s'en aller. Je suis pas enculé pour 5$. Ouais, ils savent que out there, il y a du monde qui trouve qu'ils sentent bon, hostie. Mais... C'est quand même c'est un atout le fun. Ouais. C'est sûr. Mais tu parlais de télé québécoise, sont tous quoi que tu consommes, Pascal, vu que ta blonde en a fait, là, c'est-tu de quoi que vu que ta blonde est dans ce milieu-là, tu consommes plus, genre? Je sais pas si. Ben, je consomme ce qu'elle a fait parce que sinon elle est fâche. Mais je consomme pas beaucoup de télé en général, puis même des séries en général, j'écoute pas tant ça. Je suis vraiment pas un gros écouteur, mais il y a des séries que je manque pas, tu sais, c'est pour ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime, j'ai écouté ouais, ça. C'était fucking fou. Bon. Ah, je l'ai pas vu encore. Ah, c'est bon, hein. c'est excellent. Je réécoute en ce moment Breaking Bad avec ma blonde parce qu'elle l'a pas écouté. Fait que là, nice. Je suis comme, ça me tente, tu sais. Ouais, mais non, je suis. Ah, c'est fou, ça. Là, on est... Ils viennent d'apprendre que son cancer est en rémission puis que ça se passe bien. Puis il vit pas bien avec ça. Ils viennent de saouler son kid qui a vomi dans la piscine. Ah, ouais. One more. Avec Hank. Hank, le vieux trou de cul. Ouais. Hey, Hank est fucking cool. Hank, man. Non. Hank. Moi, là, Hank puis Jesse, des ruineux de party. Moi, ça aurait juste tiré Jesse à la fin. Ah oui, c'est ça la fin. C'est ça qui est arrivé. En plus, Jesse, il venait de la fille à côté, son père venait d'arriver, puis elle, il n'a pas présenté son père. Puis là, Jesse. Il est fâché, pas content. Il file pas bien, en fait, parce qu'il pensait qu'il y avait quelque chose de sérieux, puis il aurait aimé ça. Peut-être qu'elle s'investit. Ouais. Je comprends un peu son struggle intérieur, là. Mais en même temps, tu sais, c'est pas quelque chose non plus qu'ils ont parlé à l'avance. En tout cas, ils ne l'ont pas montré à l'écran s'ils en ont parlé. Fait que, tu sais. Ouais. Y a-t-il eu la scène que Jesse il se ramasse genre plus de maison parce que ses parents l'ont comme kick-out vendu? Il en est après ça. Dans le trailer park, mais pas dans le trailer park, mais dans la junkyard.
tombé dans la merde dans son vieux van, puis il pleure, puis il pue avec son... Ça, c'est ma scène classique qui m'a fait le plus rire de la série. Là, on est rendu au fait qu'il s'est trouvé un nouvel appartement, puis il habite à côté de la chicks avec les cheveux noirs. Là, Jane. Un junkie. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai une mémoire de merde. Pas encore junkie, là. Ex-junkie, mais là, elle va... je pense qu'elle retombe. Ah, Steven, c'est tellement la scène qui m'a le fait le plus capoter. Là. La scène que, genre, t'as Walter qui a check mourir. J'étais comme tabarnak. Je pense que j'étais pété sur MDMA quand j'écoutais ça. J'étais genre... Ce qui est malade là-dedans, c'est que moi, ma blonde quand même sensible. Ouais. Puis elle n'est pas prête pour ça. Ouf. Elle trouve déjà ça rough. Moi, je suis comme, attends une seconde, là. Bientôt, il va y avoir Poyos Hermanos qui arrive, là. Ah ouais. Moi, j'ai hâte que lui rentre, là, avec les deux frères à m'amener aussi, là. Ah ouais. C'est un personnage incroyable. Quand je l'ai vu dans, la nouvelle série Star Wars, The Mandalorian, ouais. Là, il fait un méchant Sith là-dedans, là. Puis pour vrai, il est insane. C'est exactement son personnage de Poyos Hermanos, mais genre comme dans l'univers de Star Wars. C'est fucked up, mais c'est tellement bon. Là. Ce gars-là, tu sais, genre là, comme il y a Better Call Saul qui est là. Saul vient de rentrer. Oh shit. Ça, ces personnages-là, là, c'est des tellement forts personnages secondaires. Ils sont beaux. Ouais. Il y a fait un film d'ailleurs dernièrement qui sortait avec. Ouais, Nobody. Ouais, Mr. Nobody, je pense, avec le gars de Better Call Saul. Puis c'est vrai que c'est. Enfin, ça, c'est bon pour vrai. C'est un genre de. C'est vrai que ça ressemble pas mal à John Wick, mais ça reste quand même un bon divertissement. Ouais, ça filait. C'est dégueulasse. T'as pas aimé ça? Non, j'ai pas aimé ça. Je me suis écouté ça pour la première fois il y a genre 2 semaines. Je me suis dit, Chris, je vais l'essayer. Ils sont rendus genre au 13e, je pense, de la série. Ouais, je pense qu'il y en a. Là. Il y en a 3. Là, je me suis écouté ça et je suis comme, OK, ce gars-là décime la moitié de la ville parce que son chien, il est... Hey, j'ai stiqué sur la même affaire. C'est un tueur sanguinaire, mais là, il prend mal parce qu'on a tué son petit chien. J'étais comme, ta gueule! T'es une petite hypocrite, c'est... Mon chien, c'est tout ce que j'avais qui me rattrachait à la vie. Mais man, je comprends. Lance-toi, là. J'ai obligé de rentrer dans un bain public puis de gonner tout le monde. Il a gonné le gars qui met du chlore, esti. Il a ses petits plastiques de chlore en arrière, patac, dans le bois, comme tu es un employé. Ah ouais. Moi, je trouvais juste ça malade. On dirait un genre de macheté, là. T'sais, mettons, genre, tu sais, que comme même la mafia est comme, non. Genre, le père du gars, c'est le parrain de la mafia, puis il fait, je peux pas t'aider contre ce gars-là. Hey, mais c'est ça qu'il disait. Il était comme, là, est-ce que t'as tué le tien de John Wick? Il frappe son kid. Puis là, après, ça s'appelle John Wick. Hey, ça t'es nul, ce serait-tu chill, puis tout. Puis comme, puis là, il tue tout le monde. Oh, man. On dirait des films des années 70, là, tu sais, où est-ce que, genre, le gentil est tellement fucking badass que personne veut s'en prendre à lui, genre, puis un aura d'invisibilité un peu à la James Bond ou quelque chose comme ça. Ce qui est fucked up avec John Wick, c'est, après ça, avant ça, dans L'Avocat du Diable, je pense que c'est... Moi, je fais la suite du personnage, je pense, de L'Avocat du Diable. Est-ce que vous l'avez vu, ça? Non, j'ai pas vu. Vous avez pas vu ça? Ah, c'est bon, ça! Non. C'est Kenny Reeves, c'est un avocat... il déménage dans un avocat vraiment à succès, là, puis il défend des gens avec des gens qui sont coupables. Genre. Puis, c'est super bon pour vrai. Okay, je vais pas rien vous dire de ça. La fin, elle est extrêmement décevante. Ah ouais? Jusqu'à la fin, c'est merveilleux. Alors, quand il reste 6 minutes, ferme le film. Ok, c'est trop difficile. Je vais me noter. Tape-toi pas à la fin. C'est genre une fin comme Easy Rider. C'est juste genre les héros meurent, puis c'est subi, puis ça vient de nulle part. Puis genre... Non, mais c'est le genre de fin-là qui font comme on sait pas comment finir. Ah, bah. C'est les extraterrestres, finalement. Ah, un film, j'avais vu, c'était ça. Ah, non. C'est comme, tu sais pas ce qui se passe. À un moment donné, il y a genre, je me souviens plus c'est quoi le film, puis après ça, il y a 6 vaisseaux spatiaux qui arrivent au-dessus de la maison dans un champ. Ils sont dans un bunker, c'est genre la suite de Cloverfield, je sais pas quoi. 10 Cloverfield Lane. Grosse tension. Ah, oui. Il y a une grosse tension, puis c'est pas trop genre, si lui c'est un malade, puis il les a kidnappés, s'il a raison, puis il y a des extraterrestres, et finalement, il a raison, mais elle a fait à ça.
Non, mais c'était même un film. Je pense pas que c'est ce film-là. C'était un film aussi qui mentionnait aucunement les extraterrestres pendant tout le film. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est pas le de, genre The Wind ou quelque chose comme ça. Ouais, de quoi de même? C'est genre comme tout le monde a peur du vent là, dans ce petit film-là. Là. Genre le... Mais je pense pas que c'est ça, Marc. C'est juste un autre film de merde qui m'a pas pas en tête, peut-être. Là. Mais il me semble qu'il y a. Attends, c'est ça. Je suis pas sûr. Là, je l'ai vu le film que tu parles. Je suis sûr. Je me rappelle la fin. Il y a un vaisseau spatial qui arrive, puis ils font comme c'était les extraterrestres. Tu es comme va. Puis il y a un livre que j'ai lu. C'est quoi son nom? Non, c'est l'affaire Harry Kéber. Ok. Je me souviens pas c'est qui a écrit ça, mais pour vrai, le livre, c'est une brique. Là. C'est une. Fait que là, tu t'assois puis tu lis ce livre-là. Tu t'investis. Suis l'histoire à genre 80 pages de la fin. Je vous ai menti. Il explique en 3 pages son mensonge. Oh. Maintenant, on sait la conclusion. C'est ridicule. Ah, oh, man. C'est ridicule. T'es comme, OK, t'es en barre, t'es comme, oh shit, ça. Puis après, il fait comme, non, j'ai. C'est pas vrai, ça, là. C'est l'équivalent de. Tu sais, genre d'un bar, quand c'est le last call, puis c'est fini, puis ils font juste ouvrir les lumières. Oh, genre. Ouais. T'étais dedans, t'étais bien, t'étais en train de croiser une fille, la lumière rouvre, t'es comme tabarnak de calé. C'est comme un rieur aveugle d'un show de 60 minutes, tu sais. Tu sais, du rieur aveugle. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, là, blablabla. C'était ma mère. Bye bye, Neuchâtel! Hey, ça c'est. Faut que tu fasses ça. Moi, je veux ça. Wow. En ta première médiatique seulement. Non, c'est ton 20 minutes. C'est ton 20 minutes qui s'en vient. Hey, je vais faire ça. C'est ça que je vais finir. Je vais faire... Hey! C'était ma mère! Tu sais, la joke quand on a commencé, genre le premier. Ouais, c'était ma mère. Hey, je rirais fort, là. Je vais essayer de construire un 20 minutes qui est là-dessus. Ce serait mal. Ouais, non, mais ça peut être n'importe quoi, c'est juste tout ce qui t'est arrivé. Tu dis, hey, finalement, c'était pas à moi, c'était à maman. Mais j'ai écrit un petit gag de genre de rieur avec, de maman, je fais jamais ça, mais là j'en ai écrit un. Là. C'est quand même le fun à faire. Parce que tu sais que ça va marcher. Ouais. Il y a comme une mécanique de genre faire YouTube. Ouais, mais moi je sais pas, on dirait que c'est les gags qui me font le moins triper. À toutes les fois, j'entends dépendamment, il y a des fois, il y en a qui sont bien faits, mais c'est rare en Chris en général, je suis juste arc. Ouais, c'est pas du setup là. Il est bien fait le mien là, tu vois le dire. Ouais. J'en doute pas. Ouais, le premier puis le seul number d'humour que j'ai écrit, je l'avais écrit de même. Je m'en suis rendu compte qu'après, plus tard, que c'était un peu kitsch de faire un rieur aveugle un peu sur comme un number au complet, mais. C'est surtout très long, en fait, c'est ça qui arrive. C'est que le long, c'est juste. Ton wrap-up vient de savoir toutes les gens du reste, t'sais. Ouais, clairement. Clairement. C'était drôle, mais. Puis dans ma tête, j'étais tellement brillant. Là. Dans ma tête, j'étais comme ah ouais, ça c'est bon. C'est comme finir sur un callback, là. C'est... Ouais. Quand tu sais que ça marche, c'est le fun. Là. T'écris en avance, tu fais comme, c'est drôle, ça. Tu sais que à cause de la mécanique, tu sais que les gens vont rire, en fait. Il y a quelque chose aussi de très rassurant là-dedans, là, quand tu testes beaucoup de nouveaux matériels. Là, ouais. Tu peux mettre un petit callback là, de piou-piou-piou. Vous rappelez-vous de votre premier punch-out sur votre premier numéro que vous avez écrit? Moi, c'était un callback. Ah! Moi, c'était un callback? Ah oui! C'était une affaire de verre d'eau, là, rincé ou pas rincé. C'était très observation bas de gamme. Là, puis je parlais de pourquoi certaines personnes, quand ils font... Ouvre ton robinet, tu te prends un verre d'eau, puis il rince tout le temps la première shot. Je déblatérais là-dessus, puis je revenais là-dessus à la fin, en me posant une question. Quelque chose de même, là. Ça passait à 0 à 1000, l'échelle du talent. Ah oui, c'est vrai! Oui. Je vois ça! Il faut tellement trouver ça, mon gars. J'ai l'air DVD, je l'amènerai à un moment donné, on l'écoute. Ah, d'où? Faut mettre des segments là. Tu vas le chercher tout de suite, on veut le voir. Il faut que je rip cette vidéo-là, là. Non. Mais on est dans tout l'épisode. Ça, c'est malade parce que moi, c'était mon premier show. Je m'étais juste dit, si ça rit, je continue. Si ça rit pas, fuck that, je fais autre chose. J'avais comme 16 ans, là, 15-16 ans. Ouais. Puis le concours, je m'en crie ça un peu. Puis j'ai eu des rires, j'étais super content. T'sais, j'avais ma loge, puis tout. Là. C'était mon premier show. J'étais comme Chris, c'est bien malade. Puis j'ai perdu tout au complet. J'ai perdu contre des petites filles qui ont fait une chorégraphie. Un chanteur ultra quétaine qui chantait Oulala Samantha. Un magicien qui a manqué son tour. Il est français avant tout, ce gars-là.
Ouais, il faisait un tour de cartes, mais il les a échappés. Puis t'as battu. Six mois pareil. Ah, ben, il faut que je vois ça, mon gars. Tout ce que tu m'as nommé en ce moment est tout plus drôle que tes numéros. Oh, ouais. Toi, Pascal, tu te rappelles-tu de ton premier punch-out? Je me rappelle pas de mon premier punch-out. C'est sûr, c'est peut-être un peu loin aussi. Non? Je sais pas si loin, en fait. Je m'en rappelle pas tant. Je sais que mon dernier riff de ça, c'était... C'est cool, les nains autour de toi, tu sais, parce que c'est pratique, tu sais, tu peux... Mais tu sais, c'est comme cool d'avoir une blonde naine, c'est ça, je sais pas, quelque chose comme ça. Puis c'est parce que quand tu vas en voyage, c'est facile, tu peux la mettre dans ton bagage à main, tu sais, ça, c'est prêt. Puis quand tu as envie de baiser, tu peux la sortir, puis c'est, tu sais, c'est pratique. Ça se manipule bien, c'est avec comme un genre de truc comme ça. Ouais. Ou quand ta blonde arrive, tu peux la cacher. Je me rappelle plus exactement ça s'en allait où, mais c'était pas... Ça volait pas très bien. Ouais, les avantages de traders. C'était comme cool là, quand je le faisais. Là. Ça riait fort. Ouais. Ça riait bien, bien fort. C'était où ton premier show, te rappelles-tu? Pop Saint-Cyboire. Ah ouais? Ah ouais, OK. J'ai commencé au pub, moi. Je regarde. Ah ouais. J'ai commencé au Saint-Cyboire avec Barrette, Dano, Corinne, Wagner. Ah ouais. J'ouvrais la deuxième partie, genre. Chris, t'étais-tu stressé? Ah oui. Ouais. C'est quand même stressant, ouais. Ben oui, ça n'avait pas de sens. Surtout, ouvrir la deuxième partie, c'est genre... C'est un rôle important, là. Mais c'était au lieu d'ouvrir le show, c'était la deuxième, fait que c'était quand même cool. Là. Puis Étienne Dano a fait une super présentation, c'était vraiment hot. Barrette était vraiment cool aussi, fait que ça a bien été, j'ai été bien chanceux. Là. T'as-tu bien rentré? Ben, tu sais, comme une première fois, là, maintenant. Vraiment, pour moi, non, mais vraiment, vraiment, vraiment plus fort que ma deuxième fois. Ah ouais? Vraiment. Ah, c'est cool, ça. Je commençais avec une niaiserie, là. Je disais, hey, pour vrai, j'ai tellement jamais fait de scène dans ma vie que c'est la première fois que je tiens un micro dans mes mains. Je me sens comme une fille de 8 ans qui fait sa première fellation. Alors, si je mets les dents ou c'est pas bon, dites-moi là, je vais m'ajuster. Non, c'est bon, c'est pour commencer, ça. C'est un crise de bon gag. C'est un premier gag à vie, là. Ouais, c'est bon, tabarnak, pour vrai. C'est une belle manière d'ouvrir. Là, je viens de le faire avec vraiment un meilleur timing qu'à l'époque. Ouais, c'est sûr. Ça devait être gonné, en estime. C'est un peu plus gêné. Regarde beaucoup trop à gauche qu'à droite. Genre, est-ce correct de dire ça en ce moment? Genre, y avait-tu un peu de cette retenue-là, genre, quand t'as commencé? Non, mais c'est. J'étais comme vraiment « Allô, tout le monde? » J'étais énervé, j'étais comme content. OK, OK. Tu te vois dans le miroir qu'il y avait au Saint-Cyboire, puis t'es comme genre « Oh, ça, j'aime pas ça, regardez ça, je me vois directement. » Mais je regardais déjà un peu par terre, comme je fais là. Il y a comme de quoi que j'avais là, que j'ai retrouvé de plus naturel du début, qu'à un moment donné, j'ai comme perdu en voulant avoir l'air d'un gros stand-up viril, là, tu sais, parce que j'aime ouais. J'aimerais ça de voir toi qui fais comme du Joe Rogan. Joe Rogan. C'est quoi du Joe Rogan? J'ai écouté des stand-up de Joe Rogan. Ah, il est bon, ben. Ça m'énerve. J'écoutais un petit peu, mais je trouve ça trop pas assez nuancé, en fait. Je trouve que c'est très dans ta face. Ouais, je comprends. J'ai ça me faire imposer des affaires. Ah ouais, ah ouais, c'est pas quelque chose que j'aime tant que ça. J'aime les Marc Maron qui vivent des insécurités puis qui me laissent les yeux. Ah ouais! J'aime les gens que je juge, j'aime les Maniscalco, c'est le fun d'écouter, mais Joe Rogan, il est trop genre I'm the shit. C'est moi qui dis ça. T'sais. Genre mal à l'alpha. Il est clairement comme ça, il est sûrement sympathique, là, mais il a l'air vraiment mal à fun, là. C'est lui qui run le shit, là, tu le sens. Chaque fois que j'écoute du Rogan, il y a le temps, un moment donné, que je fixe ses doigts, je suis comme, Chris, qu'il a des gros doigts. Hein. Oh, man, c'est vrai. Des esties de main, genre, donc, de malade. Mais gros, genre. Ouais, des saucisses. Ouais. C'est exactement à l'image de son pénis, je sais ce que vous pensez, les gars. Moi, je le trouve bon, pareil. C'est sûr qu'il y a un petit bas de trapu. Moi, c'est Yang ça qui me vient en tête à chaque fois que je vois ces hosties de main. Mais c'est juste moi, peut-être. Ça, mais non, c'est peut-être pour ça en fait, que j'aime peut-être son humour, puis c'est ses mains que j'aime pas, puis je le sais pas. Je ne l'ai pas encore canalisé. Il est dégueulasse physiquement. Physiquement, il est mais il y a l'air d'être des stéroïdes un peu tout le temps. Hein. Ouais, je pense qu'il fait du TRT, genre du testosterone replacement therapy. Genre.
Tu sais, pour mettons du monde un peu plus vieux. Tu sais, mettons des fois, tu avais des fighters. Genre, je sais que tu écoutais l'UFC un peu avant. Tu te rappelles Vitor Belfort? I remember Victor. Ouais. En tout cas, j'ai pendant un bout de test sur TRT dans le fond. Mais c'est comme une espèce de truc de remplacement de testostérone. Fait que c'est pas un stéroïde techniquement, mais genre, ça fait que tu vas, ton corps va produire la testostérone. Ah, puis une estie de belle shape pendant longtemps, Victor Belfort, là, je m'en rappelle. Tabarnak, genre en 2012, c'était dans son prime, c'était genre début quarantaine, stie, puis genre, t'as vu après ça, il a lâché le TRT, il est devenu tout flasque, tout mou. Ouais, stie. Mais c'est parce que c'est un gars qui a la puissance, à ce moment-là, là, c'est un gars qui a la puissance d'un gars de 30 ans, là. Certains appellent ça le dad strength, là, tu sais, la force de, que seul un papa peut avoir dans la vie. Ouais. Puis en plus, il y avait le taux de testostérone d'un jeune de 21, là. Fait que genre, Chris, man, c'est brutal. Oui. C'est pour ça qu'il aurait, c'est pour ça qu'il a genre défoncé l'œil. À... C'est lui qui a défoncé l'œil à Michael Bisping avec un wheel kick. Ouais, le spinning back kick, le pogné droit de sa tempe, puis là, depuis ce temps-là, Bisping il louche. Man, il fuckait les yeux du monde, ce style-là. C'est pas normal. Mais, je te dirais que j'ai hâte de voir comment va se porter Miocic là, après son knockout contre Ngannou. Voir si. Voir s'il bande encore. Là, genre. Oh, man. Faut que John Jones pogne Francis Ngannou. Ça peut pas ne pas arriver. Ça peut pas. Mais là, ça commence à chier, là. Ouais. Dernièrement. Pourquoi? John Jones demande trop d'argent. Dana White, genre, en fait, il essaie de négocier son contrat à la hausse. Là. Il dit, gars, moi, si je vais me battre contre lui, ça me prend du cash. Parce qu'en même temps, c'est vrai, je pense que c'est comme un des sports que l'argent qui est fait avec les événements, dans le fond, il n'y a quasiment rien qui redonne aux combattants. Je pense qu'il redonne 10%, mettons, genre, de ce que l'UFC génère aux combattants, genre, ce qui est vraiment minime. Fait que autres, lui, il essaie de négocier à la hausse son contrat, mais là, Dana White, il a juste fait de guerre au pays, si tu te bats pas, je m'en crisse. Je pense qu'il faut pas que ça en crisse tant que ça, parce que Lewis va pas faire... Si c'est contre John Jones et Ngannou, tu vas avoir un de tes meilleurs sold-out pay-per-view. Là. Ben oui. Ça, tu vas en vendre côté, tu sais. Ouais. Mais il pense probablement plus aux conséquences sur le long terme de faire un move de même, parce que là, après ça, il va falloir qu'il paye tout le monde. Fait que quand tu y réfléchis de même, tu te dis, ouais, finalement, c'est pas tant gagnant de faire un gros pay-per-view. Puis, ça doit être ça l'idée. Ouais, mais t'as aussi un John Jones. Là. Fait qu'on va dire qu'après ça, il y a un autre gars qui arrive, comme j'aurais ça être payé comme John Jones. Ouais, mais montre-moi ton CV. T'as-tu le même CV? C'est ça que je pensais. Oui, ça devrait être ça. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être ça aussi. Un avantage du UFC, c'est qu'il y a tellement d'événements par année, puis tu peux, en tant que combattant, te battre 3 fois par année, ce qui n'est pas possible en boxe. Ouais. C'est rare, là, les combattants, gros combattants qui se battent 3 fois par année. Là, des fois, le monde, en ce moment, se bat une fois par année. Oui, puis... ça arrive jamais. Là, à moins que quand tu commences, que là, tu peux en enchaîner pas mal. Puis il y a quelques exceptions. Là. Mais sinon, en général, c'est un ou deux max. Puis un champion, en général, ça va être une fois. Mais oui, tu restes en shape, tu peux te battre genre 5 fois par année. Hein, que c'est All-In s'est battu 5 fois l'année passée. T'sais. Mais ouais, c'est vrai. Il s'est battu 2 fois en hein, genre comme un mois. Il venait de faire 5 rounds, il s'est fait péter, esti, puis genre il se bat un mois après. Puis grave. Ouais. Ah, comme voyons le nouveau là, que j'adore, esti, mais Ramsat Chimaev. Ouais, mais là, il n'y a pas eu de COVID. Dans la même semaine, là, dans la même tabarnak de semaine, il a fighté 2 fois, il s'est fait frapper 3 fois de tous les 2 combats. Puis genre, il n'y a rien que les autres ont pu faire. Il levait le monde, là, puis juste pour entendre mieux son coach, il l'amenait jusque dans son coin avant de le dropper sur le dos, genre. Man, le gars est n'importe quoi, là. Ben, j'ai hâte qu'il se batte contre... Là, il s'est battu contre des pingouins, là. Ouais. Du monde de qualité, là, puis ça va faire des meilleurs combats, mais... Mais t'es supposé se battre avec Leon Edwards. Ça aurait été fucking nice. Finalement, ça a été remplacé par... je pense que c'est qui? C'est... Leon Edwards, il se bat contre... All-In, justement. Il vient de se battre, puis... Il s'est supposé se battre avec Nate Diaz le prochain UFC, mais finalement, ça a été reporté dans un mois parce que je pense que Diaz, c'est comme blessé à l'épaule. Ils viennent pas de se battre là, contre l'autre qui s'est pété à la jambe en lui donnant un coup de pied, là? C'est pas Wildman, Wildman, tu penses? Wildman qui s'est pété à la jambe. Ah non, ça, c'était Tibia Peyronnet, ça, c'était magnifique, ça. Mais moi, ça, j'ai adoré ce move-là, vu qu'il y avait eu le même move avec Silva. Ouais. C'est lui qui avait fait ça. C'est malade! C'est malade! C'est vraiment pire que Silva. Tu sais, Silva, ça s'est comme genre pété, puis vite remis. Lui, son gros orteil est allé toucher à son genou.
pas mal, là, mettons. Ah, oh, c'était dégueulasse, mon gars. C'est clair que dans ses oreilles, il a entendu ses os frotter, enfin genre... C'est sûr, mais c'est tellement un bon gala, ça. Les trois combats de championnat à la fin. Ben oui, le gros direct, je me rappelle pas c'est quoi son nom. C'est Kamaru Usman. Ouais. Ouais, c'est ça. Man, c'est le plus beau dans le direct que j'ai vu. C'était cinématographique. T'as vu à soir qui revolait en même temps. Ouais. Ouais, ça, c'est l'exemple parfait de quand tu frappes, vise en arrière de la tête. Ouais. C'est genre... C'était le plus beau direct que j'ai vu en MMA. En tout cas, là, genre, comme c'était parfait. Puis, genre, je l'ai vu d'un autre angle, genre d'une caméra de la foule. Juste voir comme... Puis tu vois la vélocité, mon gars, de ce direct-là. Là. Tabarnak, on dirait qu'il y avait une fusée dans le bras. Là. C'était... C'est de toute beauté. Rose, sérieux, là. Ah, oh, man, ben oui. Oh, ouais, juste une petite claque sur le bord. De... C'était clean, ça. Ah, ouais, c'était beau. Ça. Oh, ça, là. Hey, ouais. Hey, c'était hot, là. Ah, ouais, j'étais content. J'étais content pour elle. Moi, je... c'est là, demain, je comprenais pas pourquoi on était désavantagés sur papier, parce que dans ma tête, elle était comme... Tu sais, je comprends qu'il y a... Qu'est-ce que son nom échappe? Wiley. Wiley Zeng. Ouais, ouais, je comprends que Wiley, genre, tu sais... T'sais, elle cogne fort, c'est tout le temps straightforward, elle avance tout le temps, mais en même temps sur papier, je suis comme, il me semble, elle a plus d'armes, elle a un meilleur sol. Genre, fait, je ne connais pas même les sites de. Parce que des fois, mettons, je check mettons, les sites de Gangbling pour voir les odds. Puis là, c'était comme quasiment 3 contre 1.5. Genre, c'est comme... Attends. Tu veux dire que Rose, Namauna, c'était 3 contre 1? C'était négligé, ouais. Ouais, ouais, vraiment. Ah! Ouais. OK, ben, Chris, ça fait pas de sens. C'est son dernier combat, Rose, je pense, en plus. Ouais, mais tu sais, c'est arrivé tellement bizarrement. Là. C'était comme, tu sais, t'es poigné en clinch, puis genre, l'autre, elle l'a levé. Elle faisait un armbar, puis l'autre, elle l'a levé. Puis le problème, c'est qu'elle a juste pas lâché le armbar. Si elle avait lâché le armbar, elle aurait pu se remettre sur ses pieds. Andrade. Andrade. Qui s'est battu le combat d'avant, qui s'est fait dévisser par Shevchenko. Ouais. Tellement trop dominante, cette fille-là. Ah, c'est mais planète. C'est weird parce que Shevchenko, là, c'est probablement une des fighters les plus dominantes en ce moment. Puis c'est elle que je care le moins. C'est, je sais pas pourquoi. On dirait genre. C'est pour ça. Il y a pas de compétition. Ouais, il y a ça. Il y a ça, c'est pas clair. La danse non plus. C'est vrai. C'est vrai. Mais je sais pas. On dirait qu'elle me captive pas. C'est un peu weird. Je sais pas. Ah, ouais. Mais pour elle, Rose, quand elle a gagné, pour elle, je pense que c'est une des premières fois que j'ai comme j'avais des yeux pleins d'eau en la regardant. Tu sais, dis, I'm the best, elle pleurait, genre, puis elle était toute contente. Ouais, genre. Ouais. Elle dit que c'est beau. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Ah, ouais. Tellement honnête, je l'adore. Non, elle est pas cocky, elle est genre, elle est humble, elle fait pas chier personne, puis elle est fucking bonne pour elle. Tout le monde l'as-tu vu? Ouais. Tu l'as-tu vu réveiller son chum, là, Pat Barry, en le faisant dans la face avec un gant de boxe? Non. Non. Elle fait juste comme aller le réveiller, il se réveille pas. Fait que là, tu sais, elle est avec la caméra, genre, elle fait comme un TikTok, genre. Puis elle met juste son petit gant, elle fait ce fucking fort dans la face, genre. Puis là, il est comme, ha ha, all right, I'm gonna get up. Puis genre, c'est. Mais c'est clair. C'est pour lui, c'était une joke, se faire frapper, genre, en plein dans le milieu de la face. Lui, t'es comme, ha ha, damn you! C'est un fighter heavyweight homme. Là. C'est sûr qu'il se mange un coup genre d'une fille de 115 livres, il s'en crisse. Ouais, c'est clair. Là. Il se fait knocker par sa blonde quand il va pogner un Ngannou, là, ça ira pas. Là. Oh non. C'est clair que non. Là. Mais Pat Barry, c'est fini sa carrière anyway, depuis quand même longtemps. Puis... Ah ouais, Ben, c'est parce qu'il y avait eu des. Genre, il y avait une fille, je pense. Je sais pas si... Je me semble que c'était dans l'UFC, dans une autre ligue d'MMA. Il y avait une fille transgenre qui se battait. Ben, c'était un gars qui était une fille qui était un ancien homme, dans le fond, qui se battait genre dans les des filles. Puis là, lui disait, il me semble que ça n'a pas de sens. Si gentil, je veux dire, ça doit être maintenant une fille. Je veux dire, elle a quand même une physionomie de gars. Là, fait que c'est legit comme si c'était un gars qui se battait contre des filles, ça n'a pas de sens. Ouais. Puis l'UFC l'a tassé parce que ça faisait un peu de contre-vente. Ah, c'est à cause de ça? Ouais, c'est à cause de ça. Mais elle voulait se battre quand même avec les gars, puis la ligue ne voulait pas. Ouais. C'est ça le shit. Hein. Ça se peut. Fait que là, ils l'ont mis avec les filles. Fait que là, non, mais c'est pas de la faute de l'athlète, là, by the way. C'est tout du monde. Fait que c'est ridicule. Ouais. Ah, c'est bizarre en tabarnak. Mais... On préfère pas les. Ça devrait pas être les gars, les filles, ni les poids. Ça devrait être les religions. Tu te bats ton. Juste de ta religion. C'est une ligue de juifs, une ligue catholique, une ligue musulmane, les mormons, les Hare Krishna. Oh, ouais, tu te bats dans ta religion.
Oh wow, est-ce que les scientologues, est-ce que ça serait malade ça? Un combat de scientologues, est-ce que tout ça. Ma suggestion, je la laisse dans l'univers. Ah, j'avoue oui. que oui, j'espère un peu en dedans de moi que ça arrive. Ça serait malade. En fin de semaine, t'es supposé avoir. Ben, je pense qu'il y a deux fights qui sont tombés à l'eau. Là. Il y a, le main event, je ne me rappelle pas c'était quoi. Mais je sais qu'il y avait Sam Hagen, je ne sais pas si vous connaissez. Là. C'est genre le. San Hagen? Ouais, tu sais, c'est un nouveau. Ah oui, oui! Il a knocké Frankie Edgar avec un flying knee dernièrement. Ouais, c'est pas une con. Ouais, il était supposé se battre avec TJ Dillashaw là, qui revient. Comme, ouais. Il se fait couper pour blood doping. Puis là, tous les fighters sont en tabarnak contre lui parce que. Ça a un peu, tu sais, le blood doping, ça coûte vraiment cher. Là, mettons tous les stéroïdes par intraveineuse, puisqu'en plus, ça te prend une grosse équipe puis tout pour mentir pour toi. Puis là, tous les fighters sont comme insultés de tabarnak que t'as déboursé tout cet argent-là pour tricher. Esti. Fait que là, tout le monde veut y péter. T'as battu Cody Garbrandt, genre, sûrement ses stéroïdes. Ouais. Mais ça paraît quand tu. Ben, ça paraît. C'est juste que quand tu regardes la vidéo, là, genre, sa performance, il a l'air d'être comme les gars. Du UFC, mais genre des années 2000. Là. Tu sais que ça se dopait, il n'y avait personne qui checkait ou le Pride là, au Japon, là, que genre le monde, si ça se faisait knocker, ça se relevait de bout, puis comme si de rien n'était, puis ah ouais, il saute dans les jambes. Voyons donc, Chris. Genre, c'est impossible. Mais pour c'est vrai, impossible. Même Peter Yan, là, pour vrai, là, regarde l'explosion, ce gars-là, comment il est rapide, puis tout, là, c'est sûr et certain qu'il doit prendre un peu du stock. Là, pour vrai, là. Peut-être, ben, ça se peut. Je sais pas, en général, quand le gars, il est genre physiquement genre plus explosif que genre n'importe qui tu vas coller contre, genre du top of the food chain des arts martiaux mixtes quand même. Là. Je sais pas, d'après moi, il doit prendre de quoi. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, mon barème, là, je sais pas si vous connaissez Kevin Randleman. C'est justement un gars du Pride puis UFC, mais genre ouais, fin 90, début 2000. C'est genre un gros dude qui faisait de la lutte, puis lui était. C'est genre l'exemple parfait d'un gars sur le stock. Genre, il est fort, esti, comme. Ça n'a pas de bon sens être fort de même, puis genre, il est rapide, puis il a toutes les capacités athlétiques que tu veux, il les a toutes, là. Tu sais, c'est genre, comme, clairement, il est sa grosse sauce, puis genre, lui, c'est mon exemple pour. Bon, ah, lui, tu sais, à dope, il ressemble-tu un peu à Kevin Randleman? En tout cas, c'est malade. Fasse des fois juste des tournois que là, tu as le droit d'être dopé à côté. Ah, c'est fou, ça. C'est pas une ligue de dopé, une ligue de pas dopé. Juste de temps en temps, le tournoi des dopés. OK. C'est Drug Mania, whatever quoi. Wow, le UFC avait... dopé. Mais il y avait ça qui voulait. Il y avait. C'est qui? Vitor Belfort, justement, on a parlé tantôt. Ouais, il voulait se partir une ligue de légende. Puis, genre, il disait que dans sa ligue, le monde n'allait pas être testé pour le doping. Il l'a juste dit, là, genre, comme, ah ouais, j'aimerais ça, plus de personne va être dopé. Testé pour le doping, c'est comme dude. Pourquoi tu penses que ça ne marchera pas dans le site d'affaires? Mais ça serait malade de voir du monde de 45 ans, man, sur du stock. J'aimerais ça vraiment beaucoup, moi. T'as-tu déjà écouté, Pascal, le bare knuckle? Oui, dans les cours ou dans les affaires de même, là? Non, ben t'as une ligue qui s'appelle Bare Knuckle Fighting, que genre t'as bien des anciens fighters ou des has-beens du MMA qui vont là-bas. Là. C'est comme le ring est fait en rond. Puis genre, tu vois, ils ont des N-wrap, mais ça finit jusqu'à ici, jusqu'aux jointures. Fait que toutes les jointures sont à découvert, genre. Fait qu'ils ont pas de gants, mais ils ont comme un support. Puis c'est comme en Angleterre? Et je pense que c'est aux States. C'est aux States qui font ça. Il y en a une couple, par exemple. Ouais, mais tu sais, t'as une ligue qui s'appelle juste Bare Knuckle Fighting, genre que c'est legit, genre, tu sais, ils prennent, tu sais, mettons des Chris Lieben, puis tu sais, mettons du monde qui était plus cool, mais sont clairement sur le stock, puis sont pas testés là-bas, là, puis c'est juste du monde ouais. qui. C'est juste de la boxe, mais pas de gants, genre. Ah, man, c'est violent. C'est bon, par exemple, c'est quand même cool, là. Ouais, c'est des tough guys. Des fois, il y a des vrais boxeurs aussi, genre, qui viennent dans le mix, puis c'est comme, oh shit, tu sais, genre, ok, ouais, c'est pour ça que. Pour ça qu'il y a un sport qui s'appelle la boxe. Calis, OK. Ouais, mais c'est genre, même pas, moi, j'ai checké. Il y a un channel YouTube que je regarde de temps en temps. Que le dude, c'est un boxeur underground. Qu'il y a une ligue aussi. C'est genre. À chaque fois, c'est pas la première fois que j'en parle, mais à chaque fois, j'oublie. Je pense que c'est genre UFL, quelque chose de même, mais je suis pas certain. Hein. Puis lui, il explique justement, il donne des skills pour ceux qui font du bare knuckle et la boxe, puis il explique les grosses différences entre les deux. Ouais. Et comme quand tu te bats à main nue, juste lancer un coup, il faut que tu fasses quand même attention.
parce que tu bloques avec un coude, mettons, le poing. Ça, avec un gant, ça ne te crisse rien. Ah, ouais, mais quand tu es à main nue, si tu fais sur un coude, ben, tu viens de péter à la main, peut-être. Ouais. Fait qu'il faut que tu fasses attention à ça. Fait que tu frappes juste quand tu es vraiment sûr de le pogner ou que l'autre va juste pouvoir le bloquer en rollant. Le coude. Ouais, parce que techniquement, tu sais, les gants, c'est autant pour protéger les mains que le visage. Là, mais... Ouais, c'est ça. Je pense que techniquement, c'est plus pour protéger tes mains. Ouais, ouais. Ben, les deux, je pense que tu avais la bonne réponse. Parce que les combats plus longs aussi, là, je pense que. Ouais. Pas de gants de boxe. Ah, mais tu sais, dans le ça temps. Que, y a, en plus, c'est pointu. C'était quoi déjà? C'était le combat le plus long. Que c'est, ça n'a pas de sens. Ça se trouve sur YouTube. Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom de ça. Mais ils sont morts, ils sont brûlés. C'est des boxeurs. Ils n'arrêtent comme pas le combat. C'est comme à l'époque. Oui, ouais, c'est il y a longtemps. Les... C'est il y a longtemps. Oui, oui, c'est ça. Ça c'est... Ah oui, c'est. Ah, voyons, c'est quoi le nom? C'est un vieux boxeur, mais c'est genre une légende, là. Calice. Je me rappelle pas, mais ouais, c'est comme une centaine de rounds. Ouais, ouais, ça n'a pas de sens, ça. Puis souvent, une centaine de rounds. Mais tu sais, juste dans le temps que c'était des 15 rounds, c'était déjà beaucoup trop long, là. Tu sais, ah oui, 12, ben... c'est en masse, là, à pleine capacité, là, à te faire ouais. varger dessus. Surtout ah, en oui. boxe, c'est très, genre, juste le haut du corps puis la tête. Fait qu'à un moment donné, ça... T'es non-stop action pendant 45 minutes, puis avec les pauses, ça fait 1 heure de combat. Là. T'as une minute de break, ton cœur continue à pomper pareil. Eh oui. Est-ce que vous avez checké Canelo Alvarez s'entraîner? Ouais. 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 Mais là, c'est une bite, là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais justement, il est explosif comme Peter Yan, ce gars-là. Fait que je sais pas, là, mais probablement mais, pas. Non, je pense pas. Ils sont malades, là. Il, ouais. Pour éviter les coups, les contre-attaques. Ah, oh, man, oui, quand il fait balancer son, le sac, ouais, ouais. il fait juste comme des mouvements, il roll en dessous, genre. Son coach qui frappe avec une genre une nouille à piscine. Ouais. Faut qu'il ouais. l'évite puis qu'il punch après. Ah, ouais. Oh, man, ouais, c'est insane, fou. Ce gars-là. Pour... Mais il se bat samedi, justement. Il se bat quand? Samedi. Ah, ben oui. Oh mon Dieu, ce combat-là va être incroyable. Ouais. C'est contre qui? La seule personne qui peut tenir Canelo. Ah ouais? Contre qui il se bat samedi? C'est quoi dans son nom? J'en ai entendu parler aujourd'hui. Ah, fuck. Ce gars-là a humilié David Lemieux. Ouais, ouais, je sais. Humilié. Ouais. David Lemieux avait l'air de rien faire dans le ring, puis lui se promenait. Ah! Il évitait les coups. Oui, je me rappelle de cette fight-là. C'était quand David Lemieux avait les cheveux tout longs, puis ça lui tombait dans les yeux comme un petit pingouin, gros. Ouais. Go au cave, oui! Tu sais que ça sort, tu sais. Ouais, mais non, mais je l'écoutais avec des amis ici, puis on n'arrêtait pas de dire ça. Attends, on va essayer de trouver son nom, là. Ouais, son... Billy Joe Saunders. Billy Joe Saunders. Pour vrai, ce gars-là est incroyable. Pour vrai, ça va être un bon combat. Les deux ont une ouais. défensive fucked up. Je pense que Canelo va gagner comme d'habitude, mais s'il y a quelqu'un qui est capable d'offrir une opposition qui a de l'allure puis toffer plus que 4 rounds contre Canelo, c'est bien lui. C'est ouais. un bon combat, je vous suggère de l'écouter en faisant un live sur Twitch. Ah, ouais, c'est ben ouais, pourquoi pas. Mais pourquoi ouais, pas, pourrait, c'est une bonne idée. Pourrait, je n'avais jamais vu Canelo se battre, j'en avais souvent entendu parler. Puis j'ai écouté son dernier fight, j'étais comme, OK, ouais, je comprends. Là, c'est genre, ça a tellement l'air facile. Man, il est tellement quick, il est explosif, il a de la puissance. Là, il est... Tu sais, puis rouler avec les coups comme ça, genre, puis vraiment narguer à personne, elle envoie comme 5 coups, puis il n'y a rien qui a touché. Là. Genre, puis elle a essayé tout ce qu'elle avait, puis il n'y a rien qui a touché. C'est n'importe quoi. Ça doit tellement être décourageant. Ah, ouais. Ah, sérieux, il rit de toi, là. Il est en train de faire de toi son dummy, là, tu sais, je veux dire... Avant que Lomachenko perde son dernier combat. Ah, man, je l'adore aussi. Moi, je le trouve fort. Là. Même si, des fois, il a perdu une couple de fights qui a nuit beaucoup à sa carrière, je pense. Mais je le trouve, je l'adore. Ben, il était pound for pound il n'y a pas longtemps. Puis là, il a perdu son dernier combat contre un gars qui l'a vraiment dominé. Mm. C'est que c'était un peu poche, mais Lomachenko, au début de carrière, il l'appelait No Mass. Ça veut dire pu. J'en veux plus, tu sais. Parce qu'il est tellement épuisant, tellement rapide, les boxeurs ne réussissaient pas à le frapper, puis ils tournaient autour d'eux, puis ils frappaient, puis c'était juste ridicule. Puis oh, les boxeurs wow. s'assoyaient dans leur coin, ils n'étaient même pas knockés. C'était no mass, no mass, no mass. Non, wow! Ils abandonnaient parce qu'ils étaient tannés. Oh, c'est comme tu sais que tu peux rien faire, puis c'est juste genre, t'es pogné dans un sable mouvant. Mais il paraît que son dernier combat, il était blessé à l'épaule, fait genre j'aime ça. Je veux y croire, puis je veux qu'il repogne l'autre qui l'a battu là, qui était quand même très bon là.
qui fout une volée. J'aime beaucoup Lomachenko. Ouais. J'ai vu en fin de semaine une vidéo de. On parlait de Canelo Alvarez, genre sa maison à lui, genre. Oui. Peut-être une de ses maisons ou sa maison. J'ai vu ça aussi. Ah, tu l'as vu? Que genre, il y a des ceintures d'accrocher, genre, puis qu'il y a un staff qui vient tout le temps les décrocher à chaque soir, puis les remettre le lendemain le matin, genre. Ouais. C'est parce que je pense que les ceintures sont trop lourdes, je veux pas que ça se magane, je sais pas trop. C'est il y a ça, comme 15 chars. Il y a même l'intervieweur avec lui dans son. Un genre de petit char 4x4 bombardier qui est. Ça n'a pas de style bon sens. Là. C'est une affaire, un dune buggy, si tu veux, mais vraiment perfectionné. Puis là, il est dans une dune de sable avec l'autre qui serre de même. Il serre le cul, mon gars, il a peur. Puis t'as juste Canelo Alvarez qui est comme, ça va-tu? T'es-tu correct? Puis il crie ça dans le fond. Il est rendu à 200, c'est-tu, dans le désert avec son dune buggy. Oh mon Dieu. Un style malade. Ah ouais. Êtes-vous hype pour le fight Joshua contre Tyson Fury? Ouais, ça oui. Ah, Tyson Fury, lui aussi, c'est un gros dude. Mm-hmm. Gros dude qui esquive tout puis qui fasse fort. Il a commencé tard, me semble, en plus, la boxe. Là, c'était genre quelqu'un qui a fait ça vraiment plus tard dans sa vie puis qui domine. Hein. Moi, j'aime plus Wilder que lui, mais Fury, il est puissant. Hein. C'est quand leur combat? C'est une bonne question, je vais regarder. Mais oui, ça a été un très bon combat. Là. Tyson Fury va gagner, je pense, très facilement. Il me semble que ça a été annulé, c'est-tu? Non, c'est pas annulé. Non, c'est... OK. Ça va pas annulé. C'est peut-être un autre que j'ai vu. En plus, c'est quand même assez rare, je pense, en boxe, que genre, ils font vraiment les fights de genre, mettons, deux personnes qui sont top de leur game, là, de ce que j'ai entendu. Je sais pas, je suis pas. C'est pas un sport que je suis énormément. Là. Il y a des combats qui sont le fun d'écouter, genre, comme, tu sais, Canelo, puis. Joe Saunders. C'est un combat qu'il faut écouter, tu sais. Ouais. Canelo contre n'importe qui d'autre, je te dis, je peux t'envoyer le résultat avant, là. Mais comme ça, comme cela, il risque d'avoir... Tu sais, Canelo va perdre des rounds. Oh, man. Moi, c'est weird. Cette semaine, je me suis retapé des vieux combats de Jean-Pascal. Ils en ont mis une coupe sur YouTube, là. Puis j'étais content. J'étais comme, Chris, c'était hot, ça. Toutes les contre Bernard Hopkins, c'était de la bonne boxe quand même. Là. Pascal Hopkins, c'était hot. Mais là, il est champion du monde, là, Jean-Pascal. Ouais, là. Ouais, il est revenu. Ouais, ça va être. Ça, je pense qu'il va le perdre. Hein? Contre Badou Jack. Ah, j'avais pas vu ça passer pendant tout. Ouais, mais c'est pas WBC, c'est IBF, je pense. Ouais, c'est quand même bon. Ouais, oui, c'est très bon. Surtout à son âge, là. Il est quoi? Il est 37? Ouais, il fait une trentaine, puis il l'avait déjà eu, il l'avait reperdu, puis il a remonté jusqu'à là. Fait que là-dessus, gros props à lui. Contre Badou Jack, le dernier combat qu'il avait fait, il avait gagné, mais tu sais, Badou Jack, il l'avait quand même bien maltraité. Fait que... Ouais. Alors, j'ai vu le combat, il n'y a pas de date officielle. Ce que j'ai trouvé qui était sorti le 2 jours, il disait soit fin 2021, genre décembre, ou sinon début 2022, le fight. Ils veulent sûrement attendre que genre ils puissent avoir du monde dans des stades, puis en Angleterre, là, fait que, ouais. Mais peut-être en Angleterre, j'avoue, peut-être ça va être plus long. Les deux sont anglais, tu sais, fait que... Ouais, ça fait du sens. Parce qu'au stage, justement, le dernier UFC, je sais pas si t'as vu, il y avait... C'était loadé, genre une vingtaine de milliers de personnes. ouais. C'est weird, hein? On dirait qu'on vit pas sur la même planète, Ouais, mais ils ont plus vaccinés que nous autres, là, mais c'est ceux qui ont plus de moyens aussi. C'est là qu'on voit aussi, genre, la vraie force des pays, genre, puis leurs ressources quand, genre, comme tu vois la rapidité de vaccination, tu sais, genre. Quand la mal la pomme. Ouais, c'est clair. Sur une autre, genre, ça ne pourra pas vraiment, là, mais ça te manque-tu de faire ton podcast? Je sais que tu as arrêté depuis, ça fait quoi? Ça fait une couple de mois? Ça ne me manque pas du tout. Non? Non, je trouvais que c'était beaucoup de travail puis tout. Puis là, j'étais supposé de repartir avec une formule, puis là, j'attends encore des réponses de gens puis tout. Fait que j'attends, mais je suis vraiment occupé, fait que ça ne me manque pas. Ouais. Je fais pas rien. Parce que t'avais recommencé, je pense que t'as fait une couple d'épisodes, genre, qui étaient comme filmés dans une salle ou... Avant la pandémie, ouais. Ouais, c'était cool, ça, la saison 2 de Arc, là, c'était un beau level-up de la chose. C'était très cool, puis là, après ça, j'étais comme, redescendre, faire je sais pas trop. Je m'étais préparé à faire un setup sur le web, mais avec quelqu'un qui fait la gestion en même temps, puis qui pitche les images, puis on rajoute
justement du contenu numérique en même temps, des sujets qu'on parle, avec des images, des trucs qu'on haït, puis tout. Fait que de faire quelque chose de plus animé. Fait que... Puis là, j'attendais une couple d'affaires, fait que là, mon calendrier se remplit aussi, fait que faudrait que ça arrive, mais j'ai pas, je mets pas de temps là-dessus, je te dirais. Ouais. Non. Puis, les seules entrevues au monde, c'est quand que ça revient? C'est juste un peu trop paresseux. Il faudrait que j'en refasse d'autres. Seul, mon ça, c'était bon. Ça, c'était cool, ça. Ouais, c'était bon, Chris. Moi, je vais en faire une. Écris en une avec pour moi. Ça me tente crissement pas. Ça me tente tellement pas d'écrire ça. J'ai comme pas le temps, pour vrai. C'est ça. C'est juste, j'ai pas le temps de les écrire. Tu sais, là, j'écris mes capsules du seul expert bière au monde. Ouais, justement, moi, genre la semaine passée, genre, j'ai jamais vu, c'est bon pour vrai. C'est le fun. J'aime bien ça faire ça pour vrai. J'aime vraiment ça. C'est quand même drôle. Puis le monde de la bière aime vraiment ça. Fait que ça, c'est cool aussi. J'avais peur que, tu sais, que ce soit pas tant bien reçu. Tu sais, c'est vraiment différent. C'est très geek, la bière, tu sais, comme milieu. Fait que, tu sais, comme Asti, ils vont peut-être haïr ça, mais les gros, il y a plein de brasseurs au Québec qui aiment vraiment ça. Fait que je suis bien content. Là. Prochain level, ce serait ouvrir des paquets de cartes Pokémon. Tu sais, dans le geek, là, genre, prochain step, Asti, t'ouvres des paquets de cartes Pokémon. J'aimerais ça. Je te le souhaite, en tout cas. Tu bois quoi, mettons, majoritairement, comme tu sais que t'es fan de micro, là, mais genre, mettons, c'est quoi, mettons, ton style de bière préféré? Je suis vraiment plus dans les trucs, j'aime bien les saisons, les barriquets, des affaires comme ça, tu sais. Le reste, je commence à trouver ça pas mal lourd, en fait, comme bière, fait que plus là-dedans, là, ces temps-ci. Là. Des bières plus légères, un peu. Ouais, puis des bières un peu plus... ils vont être plus nuancés, ils vont avoir plus de plaisir à l'intérieur. Tu sais, comme des bonnes bières de Oval ou Robin, brasseur naturel. Waterloo, des trucs comme ça. Ça me parle beaucoup. Là. Je regarde, là, j'ai mes caisses là, de bières. Là, puis, j'essaie de voir ce que j'ai là-dedans. Là. Je suis tombé de dernièrement sur des bières qui sont un peu plus... C'est des grosses stouts qui n'est pas nécessairement mon style normalement, là, mais je ne sais pas si tu as déjà goûté de la microbrasserie Beauregard. Oui, ils font beaucoup de pastry stout, eux autres. Ils font des grosses puis ils font aussi des affaires vieillies en fût de cognac, en fût de bourbon, avec du café puis des trucs comme ça. Oui, André-tu. Mais pour vrai, je ne suis pas tant fan de stout, mais je ne sais pas pourquoi ceux-là sont... J'ai trouvé fucking bonnes. Il y a quoi de vraiment travailler dans le goût, genre, c'est... Ouais, vraiment, c'est je bois pas de stout non plus, fait que je peux pas te le dire, là, je trouve que j'essaie de m'éloigner d'un peu du jus qui est trop lourd, genre ça, là. Ouais. Fait que je pense que j'ai bu une bière de Beauregard dans toute ma vie, là. Ouais. Oui, il y en a une que je collectionne, là, comme de c'est-à-dire, c'est la brasserie Le Dispensaire, hein. Je sais pas si t'as déjà vu leur bouteille, là, c'est comme, on dirait des gros pots de pilules, là. Puis ils mettent un signet là, sur chacune des bières. Là, puis des crawlers. Bière, en fait, je ne sais même pas c'est quoi le principe de cette brasserie-là. J'ai l'impression que c'est tout le temps un brasseur invité, mais peut-être que je me trompe. Là. Je ne connais pas tant que ça non plus. Je pense que je n'ai jamais acheté de nommer des micros. Que j'ai bu toutes les autres micros sauf ces deux-là. Ça vaut la peine. Des crawlers avec des... As-tu déjà bu Heineken? La microbrasserie, tu parles des gros pots de pilules. Que ça, je trouve, c'est la pire chose. Puis je sais pas, là, ils ont comme quelque chose quand tu l'ouvres qu'on dirait que ça m'explose tout le temps dessus. Moi, je shake pas, là, c'est peut-être ça. Non, il y a une fois que Barnick l'a shaké en podcast puis qu'il l'a ouvert comme un idiot. Là. Oh, wow. Mais sinon, je sais pas. Mais c'est peut-être juste la batch que j'avais. Peut-être. Mais c'était bière à dégâts automatiquement. Hein. J'en ai vu trois lundi, des crawlers comme ça, puis les trois n'ont pas explosé. Bon. Ouais. Moi, ça m'a jamais explosé. Peut-être qu'on parle pas de la même chose, mais sinon... C'est la même chose. Exactement. C'est juste, c'est peut-être que tu l'as gardé trop longtemps, peut-être que tu l'as brassé, peut-être qu'il était pas assez froid. Je l'ai pas brassé. Il y a plein de raisons. Peut-être que tu l'as laissé trop à chaleur. Et ça finit par ça fermenter à cause que tu l'as pas mis au frigo. Enfin, je pense pas, mais peut-être. Un astuce de paix, JF. J'osais pas le dire. C'est quoi, mettons, Pascal, ta microbrasserie préférée? J'ai pas de micro préférée parce que chacune a comme une. Chacun a comme une genre de spécialité. Fait que, tu sais, si je veux boire une bonne IPA, par exemple.
Genre New England IPA, genre Bas Canada fait des affaires insane. Ouais. Il va y avoir Nouvelle-France font des bonnes affaires. Ouais. Fait que tu sais, je vais y aller vraiment. Ils se spécialisent dans plein d'affaires. T'sais, si je veux une bonne saison, Oval fait des saisons incroyables. Robin, Prospecteur fait aussi des super bonnes saisons. Fait que tu sais, de ça, si je veux boire une stout, par exemple, une bonne stout. Les trois mousquetaires font des très, très bonnes stouts. Là, dans les... ouais, c'est pas mal les meilleurs stouts là, traditionnels ouais. Au Québec, là, les trois mousquetaires. Là, c'est vraiment bon. La Barbarie, tu dirais que c'est quoi leur spécialité? À Québec? Je pense que c'est... Ouais. La Barbarie à Québec. Leur meilleure bière, pour moi, c'est Coteau Riesling, là, qu'ils font une fois par année. Là. C'est une bière vieillie en fût en baril avec sur des... sur des macs de raisin du vignoble Saint-Phonophile sur l'île d'Orléans. C'est quand même très, très bon, ça. Ça c'est ah, même... oui? Ouais, c'est quand même très bon, ça. C'est... Ils sortent une fois par année, j'aime vraiment ça. Puis la Barbarie, c'est... Leur blanche au mur? Ouais, je bois pas de blanche non plus. Je suis pas fan de blanche non plus. Non plus, mais j'aime les bières fruitées l'été. Ah ben, même pour elle, c'est... Celle au mur, c'est la seule que j'ai pas goûté encore de la Barbarie. Ouais. J'aime okay. bien c'est ça. Vraiment bonne. Ils font ça, la Barbarie, des dernières années. Avant, pour vrai, honnêtement, là, il y a 5-6 ans, là, même, genre, c'était dégueulasse. C'était vraiment pas bon. Puis là, ils ont vraiment repris du level. Vraiment. Ah, ouais. Okay, oh, oui, ouais, vraiment, ils... Là, ils ont vraiment upgradé la game. Ils ont une milkshake sur la tarte au citron. Dégueulasse. Milkshake. Milkshake devrait pas être mélangé à de la bière, tant qu'à moi. Là. C'est parce qu'il y a du lactose à l'intérieur. Puis ça fait comme ta bière devient onctueuse, puis ça amalgame tes affaires. Ouais. J'en ai parlé un peu dans le Stabarnaco. J'ai bu une bière autrefois qui goûtait le gâteau au fromage, puis c'était un désastre. Ouais. Le Stabarnaco, c'est le nom d'une bière de la microbrasserie Bas-Canada. Ah, c'est une bière qui s'appelle Lost Barnacos, puis il change un peu les trucs. Des fois, c'est mangue et nanana. Fait que c'est super bon. T'aimes-tu la microbrasserie La Souche? Je connais pas tant La Souche non plus à Québec. Je sais que je n'ai bu. Je suis allé à La Souche déjà en bois. Ouais. Je me rappelle pas que ça m'ait marqué, ouais. Mais peut-être que j'ai pas essayé les bons produits parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'en parle vraiment bien. Ouais, pourrait. Ben, tu sais, je te dis, mettons, des produits de bière que j'aime, mettons. Tu sais, je peux juste porter vers les IPA, double IPA, NEIPA, dans ces eaux-là, mettons. Là. Tu sais, mettons, des bières sûres, des trucs plus. C'est comme l'eau, je suis plus capable de boire ça, moi. C'est comme, on dirait la 8-9% d'alcool, après ça, je dors mal. Ouais. Comme violent, c'est lourd, c'est nutritif. Ouais, j'aime moins ça aussi. Mais il y a tellement de bières qui sortent en ce moment là, que, genre, je n'ai pas le temps de tout goûter, OK? Puis... Genre, je te prendrais une photo de ce que j'ai comme bière ici, là. C'est comme, genre, je sais même pas quand je vais... Puis j'ai... mon frigo de chalet est plein aussi. Puis mon frigo, là, est plein avec. Fait que je suis comme... Tu sais, comme là, j'ai une grosse razzia de 5e baron dans mon frigo. Genre, j'ai plein de produits de 5e baron qui est une nouvelle microbrasserie dans le coin de Gatineau, un peu dans le nord. Okay. Fait que là, j'ai une... Okay. Ils font plein de produits. Genre, j'ai une gauze, j'ai une IPA, j'ai une stout, j'ai une IPA traditionnelle, j'ai... que j'ai d'autres, je pense. J'en ai 5, je pense. Fait que tu sais, je vais faire le tour des produits de 5e baron que j'ai déjà bu un peu dans le passé, puis c'est très très bon. Là. Ouais. J'ai jamais goûté. T'as-tu essayé l'ermite? Oui. Je sais pas d'où ils viennent, là, mais genre, je suis tombé sur leur double IPA pour eux. C'était comme une des meilleures bières que j'ai bu en genre 2 ans pour eux. C'était insane pour eux. Mais quand là, tu... Je connais vraiment souvent pour vrai dans cette phrase-là. Je connais l'ermite. Oh, 4 fois en 6 mots. Pour vrai, là, t'as dit pour vrai très souvent. Mais pour vrai, pour vrai, j'ai déjà bu des microbrasseries, des bières de l'ermite à mon souvenir, mais ça fait extrêmement longtemps. OK. Je suis ailleurs, là. Je suis dans le hype, là. Moi, tout ce qui est genre pas rare, je ne bois pas ça. Ah ouais? Honnêtement, en ce moment, si c'est pas rare, je le bois pas. Ben, c'est pour ça que ça m'a surpris que tu nommes en plus les trois mousquetaires. Genre. C'est bon, les stouts. Mais ils ont des produits. Ils ont des produits rares. Là. Ils font des barriques d'exception. Là, c'est un baril, une stout vieillie dans un baril de scotch, Highland, nanana. Ouais. Tu fais comme là, ils te sortent un stout. Parce que tu sais, leur stout traditionnel, elle est bonne. Si tu veux une stout, get un trois mousquetaires, tu vas adorer ton moment, tu sais. Mais si tu veux une stout, genre déjeuner impérial qui sort une fois par année, vieilli en fût, avec du sirop d'érable, puis des shit de même, c'est comme...
c'est la place à aller. Ouais. Ah, je sais. Pour mon Québec, là, dans les 13 ans. Puis si tu veux une pastry stout, là, des affaires, des stouts sucrés, là, genre comme qui goûtent le gâteau, c'est Bas-Canada, c'est les meilleurs au Québec à date. Là, t'sais. Il y a aussi Sir John à la chute qui en fait des très bonnes. OK, mais j'ai jamais goûté de pastry stout. Faut falloir que j'essaye ça. C'est un dessert qui se boit, OK? C'est vraiment violent au niveau du sucre et de la vie. Ouais. Mais c'est genre vanille du Madagascar, noix de macadam là-dedans, avec café, tatata, puis tu bois ça, puis tu fais comme... Ça goûte les biscuits macadam Subway, genre. Genre le shit que Ben Lefebvre boit ça et va aimer la bière après. Ouais, mais tu shares ça parce que t'as ta glycémie. Tu peux pas boire une 750 seule. C'est souvent 750. Non, ouais, c'est ça. Ou des fois en grosse canette. Mais même en grosse canette, toute seule, c'est violent. Mais tu sais, à la première gorgée, tu fais comme bataille, c'est bon, là, tu sais. T'avais-tu goûté la... T'avais Hochelag qui avait une stout au caramel salé? Ouais, c'est la bière préférée à Jonathan Guérin, ça. Ah ouais, pourquoi? Joe Guérin est un... Genre, la caramel salée sort, il va toutes les acheter puis il les amène chez eux. Ouais. Ah, ouais. Très bien, elle est super bonne. Et c'est, ouais, ça, bonne. Ça, c'est bon. Mais Joe Guérin ne boit que ça. Quand ça sort, ouais. Il fait comme, « Hey, tu es chez nous, lâche la caramel salée. » Joe Guérin, je fais des tatouages. Moi, il y en a une que... Il y en a une comme ça que si je la trouve, c'est sûr que j'achète tout ce qu'il y a. C'est... la kamikaze de... je me rappelle plus. C'est du monde, genre? Non. Hey, je non, c'était une genre de... C'était-tu la kamikaze? Qu'est-ce que ça s'appelait? Marco, je sais pas si tu t'en rappelles. La katana, tu parles. Ah, oh, excuse, c'est la katana. La katana, c'est ça. Ouais, la katana, c'était ça, une... C'était vraiment weird. C'était... C'est ça? C'est ouais, je me rappelle. C'est... Non, la katana. Katana. Le nom, c'est la katana, mais je ne sais pas de quel brasseur. Puis je ne sais pas si je vais jamais la retrouver. C'était une IPA, noix de coco avec... C'était vraiment fucked up, mais c'était tellement bon, là. Genre, j'ai vraiment pris la canette, parce que je me disais, ah, c'est sûr, ça va goûter le cul. Finalement, c'était la meilleure IPA que j'avais bu depuis très longtemps. C'est Broadway, ça se démarquait. Ce, Broadway. La Sabro IPA gingembre. Je pense que c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'est... Ouais, exactement. OK. C'est ça? Mais ça ouais. Ah, OK. Ouais, c'est très, très bon. Broadway qui fait ça. C'est fucking bon. OK, ouais. J'ai tombé dessus. Mais tu vas le retrouver. Ils vont en refaire. Ils vont en refaire de ça? OK. Ça doit. J'ai pas... Et pas peur. All right. je vais les appeler sinon. C'est... Appelle-les. Je suis sûr que tu peux en trouver encore quelque part. On va les appeler tout de suite. Ils appellent à minuit. OK, appelle. Let's go. Asti, j'ai pas de rig pour faire ça, c'est plate. Surtout que je suis enregistré avec mon cellulaire en ce moment. You're fucked. I'm fucked. Mais sinon, on va changer de sujet un peu. Je me demandais, avec dans la DC, avec Rose Battle, y a-tu, mettons, pour aller, j'imagine qu'il va y avoir des blagues que t'avais écrites pour, mettons, dans l'éventualité que t'affrontais quelqu'un d'autre si l'autre personne perdait. Y a-tu des blagues que t'étais déçu de pas avoir pu pouvoir faire? Genre? Oui, il y en a une que j'étais un peu déçu. C'était quoi la bague qu'ils m'ont coupée? Ah oui, c'est ça. C'était genre... juste vous dire que le père à Catherine Etier est mort. Ça, c'est pas vrai. C'est juste mon empathie qui fait défaut parce que moi, avoir une fille comme elle, je me serais suicidé. Ah oui, c'est bon. Ils me l'ont coupé, ça. C'est plate qu'ils coupent des gags de même parce que clairement, si on prend toutes les gags qui ont été coupés de chaque humoriste, ça donne un tabarnak de show mi bout à bout. Là. Puis je pense qu'ils n'ont pas gardé non plus mon intro avec Neve où c'est que je dis hop là, ils me mettent contre le seul juif de la compétition. Ah ouais, mon Neve, embarque dans le train, on s'en va à Auschwitz. Non, ça, je pense qu'ils l'ont laissé. Pour vrai? Je pense que oui. Ben, je suis pas sûr, là. Même il me semble qu'il y avait quelque chose de Schwitz. Ouais, toi, au prochain stand-up, mais pour le prochain stand-up à Rose Battle, c'était très fort. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Je sais que on s'était écrit pendant que tu préparais contre Catherine Dorion. Puis j'ai
Hey, ouais, Catherine Etier, Catherine Dorion. What the fuck? Catherine Dorion, je l'ai pété à Rose Battle. Catherine Etier. Défoncer Catherine Dorion à Rose Battle. C'est un rêve, tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, doit être beaucoup trop facile, là, en fait, ça, même. Non, c'est cool. Mais Catherine Etier, ouais, ça, c'était. Je sais pas, j'ai aimé le résultat de ce que tu as fait. C'était vraiment nice. Vraiment, un moment donné, on se prendra en roast. Ben non. Ouais, oui. Je n'aimerais pas, hostie. Ah, ouais. Ça serait que je viendrais à Humour GHB. Oui, oui. Ben oui. Puis on se fera un 5 gag, un sur l'autre. Ça, c'est parfait. C'est ça que je veux. Toi, t'es écrit-les, moi, je vais les improviser. OK. T'aurais-tu aimé ça, pogné, mettons, genre, tu sais, il y avait du monde que c'était quasiment pas du monde du milieu de l'humour, là, genre. Je me rappelle pas c'était qui cette année, là. Je les ai écoutés, là, mais. Mettons, je sais que l'année passée, il y avait des, genre, des Jean-Philippe Vautier, du monde. T'aurais-tu aimé ça affronter quelqu'un de même juste pour le défoncer pour sa place? Ben non, j'aime bien quand c'est compétitif. J'ai vu Charles défoncer. C'est quoi son nom, là? Charles Beauchesne contre Pierre Brassard. Non, non. Charles Deschamps, la première ronde. Ouais, contre, ouais, une fille qui a fait du chat. Ah oui! Il y avait son chum aussi qui était là, Pascal quelque chose. Non, ah oui, j'ai vu ça. Oui, mais pas elle. Charles Deschamps, c'est pas rien contre. Oh mon Dieu! Ça me fait chier. Hey, bon, évidemment, mon podcast en plus. ABC est super cool. DEFG. En tout cas, elle a gagné, puis j'ai recherché il y a plein d'années, puis là, c'est pas le fun. Et... Shelly, genre? Non, pas Shelly. Ou... Je sais pas, c'est qui. Mais oui, c'est vrai, je me rappelle pas c'est quoi le nom de cette personne-là, mais c'est vrai, Charles l'a maltraité. C'est violent, genre, tu sais. Puis j'ai comme, ah là, c'était juste humilié. C'était juste trop fort. Des jokes sont chiens. Genre oui, c'est ça, son chien. Même c'est comme... Les abandonne pas son chien. Oh, wow. C'est comme dans South Park quand les Red Wings de Détroit affrontent les enfants malades de l'hôpital de je sais pas quoi. Là. Wow, j'adore ça. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Anyway, c'est pas grave. C'est un petit peu hors contexte. Je suis un gros fan de South Park. Ouais, ben c'est genre... Mais c'est quand même des saisons, mettons, 8, 9, de quoi de même. Là, genre, c'est comme, drôle en temps. Un épisode, merde. Justement, que t'avais les Red Wings, t'es supposé jouer contre une équipe, puis l'autre équipe peut pas jouer pour telle ou telle raison. Puis là, finalement, genre, elle dit, ah, laissez jouer les enfants. Puis là, tu vois juste les Red Wings qui sont là, non, laissez-les jouer. Puis genre, ils défoncent dans la base. Ouais, ouais. Puis ils rentrent. Ouais, ouais. Ils sont à peine capables de patiner. Ouais. Puis ils se font faire des gros cross-check d'en face. Oh, ouais, c'est marrant. Des gros buts avec des. Oh! Ah, ouais. À chaque but et à chaque hit, ils ont l'air tous fiers d'eux autres. Là. On dirait qu'ils se sont dit on se mène pour les Bruins, on va garder le même tempo. T'sais. Ils ont bien fait. Ouais, en tout cas, très belle scène. Ouais. Ben, écoute, ça fait quasiment 1h40 qu'on enregistre, non plus que ça, même. 1h45. Mais je m'en suis fini avec, je me demandais. Mettons, ce serait quoi ton pire moment sur scène dernièrement que tu as vécu? Ça peut être, mettons, avec un show Zoom ou whatever. Ben, toutes les shows Zoom, c'est pas cool, mais c'est cool. T'sais. Ce qui est le fun, c'est que je l'ai fait un dernièrement. Puis le monde sont le fun. Le public est le fun, en fait. C'est ça qui arrive. C'est juste, c'est pas la même réception. C'est qu'est-ce que je reçois qui est pas le fun. C'est pas les gens à la maison. Puis tu essaies de donner quand même une espèce de bon show, mais tu fais comme si c'est pas ça ma job. T'sais. Ouais. Mais un show d'école secondaire en général, là. Ah ouais, ouais. Ça doit être weird pour toi en plus. Ouf. Ça marche pas tant que ça. On dirait que les jeunes de secondaire 5 veulent m'intimider. Ça va pas bien. Ouais, mais t'adaptes-tu ton matériel, genre? Oui, j'adapte mon matériel, mais quand même, les jeunes sont pas fins. C'est toi qui fais bully. Je fais fucking bully pour vrai, c'est ridicule. Oh wow! Comment pour vrai, guys? Ah pour vrai? Ah ouais, ok. Pas fin, ça. Y a-t-il déjà un qui a genre gueulé « Va chier! » Puis genre, comme... Non, les jeunes ont... mais ils l'ont dit différemment. Ils n'ont pas dit ça comme ça. C'est quoi la pire phrase qu'un jeune... Et je sais pas si c'est déjà arrivé, d'ailleurs. Ça se peut que ça soit pas arrivé. Mais s'il y a une phrase qu'un jeune t'a juste gueulé puis t'as fait « Ah, mon petit tabarnak! » À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Savez-vous c'est quoi la seule chose qui est plus plate qu'un cours de science? Ton show. » J'ai fait merci, c'est vraiment en fait me fais chier moi aussi. Pourquoi t'acceptes ça? Hey, pour vrai, parce que c'est payant, puis là en ce moment peu importe combien tu vas me donner, je ne vais plus dans une école secondaire. Ah ouais? Non, c'est pas bon, c'est pas de leur faute, je suis pas bon avec eux autres non plus.
Ils ne m'intéressent pas. Venez me voir en show quand vous allez avoir le droit d'être. Quand tu vas avoir l'âge. Ah, ouais, c'est clair. Vos parents vous expliqueront ce que vous ne comprenez pas. T'as-tu essayé les shows dans les cinéparks? Oui, j'en ai fait un, ouais. Ouais, c'était cool. C'était weird, mais en même temps, c'est drôle. C'était comme projeté sur un écran géant à côté de moi, puis il y avait comme... Je pense que je t'ai vu. Ah non, OK, c'était à l'aéroport, en fait. Je pense que j'ai mélangé deux souvenirs ensemble. Moi, c'était pendant le Festival des Montgolfières en auto, fait que là, les gens venaient avec okay. les gens, puis tout. C'était correct. Ouais. Je te trouve généreux. C'est quoi ce film entre le show du monde et de la musique? Je sais qu'il y a pas mal de musique normalement pendant les Montgolfières. Ou... Ouais, ah, ben là, il a fait un show du monde pour que les gens viennent avec le char écouter un show du monde. Ben, top. Puis entre les gags, c'était Korn qui jouait, puis genre. Ouais, c'est ça. Il klaxonnait les gens, puis des fois, ils s'assoyaient en dehors de leur auto, fait que tu les entendais rire. Fait que c'était intéressant. Non, ouais. honnêtement, est-ce que tu étais content les bouts que tu avais des vrais rires, genre? Parce que j'imagine une année, il y a un manque aussi de ça. Ben oui, mais on les entend, tu sais, les rires, mais c'est pas. C'est ça. C'est comme, on dirait. J'ai décidé de ne pas me réinventer. Là. J'ai décidé de faire mes affaires pareil. Là. Je ne me suis pas tant réinventé. Fait que j'ai hâte que. Je suis pas d'accord avec le fait de me réinventer. Là. Non. Puis je suis pas. Si je me réinvente, toi aussi, le gouvernement réinvente-toi, puis mets des jeunes au gouvernement qui vont dire non, on va faire de quoi d'intelligent. Oui. Mais non, je ne vais pas me réinventer jamais. Fait que je suis comme content que ça. J'ai l'impression que ça va finir bientôt. Fait que j'ai hâte que ça reparte. Ouais, c'est clair. Ouais, je te souhaite bonne chance aussi avec le 20 minutes qui s'en vient pour toi là, bientôt. Là. Ouais. Le 20 minutes de nouveau stock, ça va te faire du bien, j'imagine aussi. Ouais, ben j'ai plein d'affaires en fait. C'est juste, faut juste j'aille le faire. Fait que je pense que ça va être trippant, ça va être drôle. Des bons gags, j'ai un rire aveugle pour vous autres déjà. Ben oui, Chris. Fait que je vous garde ça en réserve. Vous essayez de deviner c'est lequel, puis vous me l'écrirez. C'est quand même ça. On va voir si vous me cliquez. Tu sais, c'est cool parce qu'on se fait des 20 minutes avec Charles puis Frankie. Fait que, tu sais, c'est tranquille. Tu sais, c'est deux chums. Puis on a des styles quand même vraiment très différents. Fait que ça a été une belle soirée. Puis, c'est quelle date, par contre, s'il y a du monde qui s'intéresse? Puis... C'est 21 mai puis 28 mai. Je pense que ça va être les deux dates. Avec des shows super. À 6h puis à 7h30. C'est où? Puis c'est à quelle place, oui? Au bord, le terminal sur le plateau Mont-Royal, près de la rue Delorimier et Papineau. Entre super. Mont-Royal. Ouais. Cette phrase. That's it. Proche de où j'habitais avant, ceux qui savent où j'habitais. Ah, ben, personne ne sait ça, JF. Ceux qui savent où a déjà marché Nelly Arcan. Juste pour savoir. Et JF de Nelly. Et Yes McCain aussi, il marchait souvent sur Mont-Royal. C'est vrai. Jean Leloup, oui. C'est celui qui marche le plus sur Mont-Royal, à mon avis, à travers le monde. Stéphane aussi a déjà marché sur Mont-Royal, me l'a dit. Ouais. Il y a plein de monde qui marche. Là. Il y a George Clooney, je l'ai vu marcher dans un film. Brad Pitt, il n'y a pas de raison que ce show-là ne soit pas sold out. Là. Il n'y a pas de raison. Tout le monde marche. Là. Oui. Tout le monde marche, Chris. Mettez-vous là pour dire tabarnak, ceux qui écoutent. C'est ça. Hein? Oui. Bon, là, je peux-tu aller souper? Là, j'ai faim. Oh, Chris, je veux ça. Oh, fuck. Bon, on va te laisser aller. Pascal, merci beaucoup d'être joué à nous. Pour vrai, ouais, merci beaucoup. Je suis content que tu sois là. T'as-tu d'autres trucs à plugger sinon que ton show? Hey, non, rien d'autre. T'es fin. Non, rien. All right, baby. OK, ben, vous avez écouté, il y a un film qui s'en vient avec Pascal. Si vous voyez Mathieu dans un film, il y a Pascal dedans. Sinon, allez liker sa page. Merci beaucoup, Pascal, pour être joué à nous. C'était fucking nice. Hey, guys, no props. Bonne chance dans tes projets. Puis on va essayer de venir te voir ton show dans quelques semaines. Je veux voir ton rieur aveugle à la fin. Peut-être être au début, je vais le camoufler quelque part. Vous l'avez peut-être. Oh! Le coquin! Toi, là. Hey, merci tout le monde. Passez une belle semaine.